du mouvement et citoyen lavallois du quartier Auteuil, à Laval, bien sûr. Je vous confierai sous peu à notre hôte pour cette activité, Julie Roy, de la Fondation David Suzuki, avec qui on va découvrir quatre magnifiques initiatives citoyennes à travers le Québec. Avec elle, Marianne Perrault l'assistera pour tout le volet technique de l'activité, donc vous serez entre bonnes mains. Mais avant de passer à l'activité elle-même et de vous laisser au bon soin de Julie, je vous présente un petit peu Laval en transition. Donc, c'est un mouvement citoyen qui est né d'une volonté commune d'unir nos forces pour diminuer notre empreinte écologique, transformer positivement notre communauté et lutter activement pour renverser la crise climatique. Les valeurs qui guident les actions des citoyens et citoyennes de Laval en transition sont la participation, le plaisir, la démocratie, la communauté, le respect mutuel, l'imagination et l'audace. Inspiré par ces valeurs, Laval en transition désire rendre hommage aux peuples autochtones qui, bien avant l'établissement des colons européens, étaient présents sur les terres où nous sommes rassemblés en ce moment. Laval est dans le Grand Montréal, Teotihuacan, et on désire souligner que ces terres font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanyengeaga ou Mohawks, comme on les connaît, et qu'elles ont longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. J'en profite pour vous remercier de prendre part à cet événement qui est fait transition. Si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous avez à cœur d'entreprendre ou pousser plus loin vos actions pour la lutte au changement climatique et pour la transition sociale et écologique. Que ce soit par de simples gestes qu'on peut faire individuellement ou par des actions conjointes qu'on peut faire ensemble collectivement, telles qu'on va en découvrir plusieurs aujourd'hui. Effet Transition, notre forum, compte plutôt de nombreux partenaires et je tiens à les remercier ce matin pour leur participation. Merci à nos partenaires leaders de la transition, donc la Ville de Laval et la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Merci à notre partenaire de la webdiffusion Cinequinox qui propulse la plateforme regardezmoi.ca. Merci aux partenaires pour cette série, c'est-à-dire le Pôle régional d'économie sociale de Laval. Et naturellement, on souhaite aussi remercier le réseau Demain le Québec et la Fondation David Suzuki pour leur participation active et très précieuse dans la mise en place de cette activité. Finalement, Effet Transition, c'est possible grâce au soutien du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci également à tous les bénévoles qui ont donné leur temps et leur jus de cerveau pour rendre cet événement possible. Et bien sûr, un merci spécial aux élus et amis des citoyens qui ont contribué et aidé à la mise en place d'Effet Transition. C'est un événement vraiment par et pour les citoyens. Une liste exhaustive de tous les partenaires et amis est disponible sur le site effettransition.ca pour étancher votre curiosité. Donc, on en arrive au déroulement de l'activité. Tout d'abord, dire que cette activité est enregistrée. Elle sera accessible sur la page regardezmoi.ca des archives d'Effet Transition. Et cet accès-là va être réservé aux détenteurs de passeports d'Effet Transition jusqu'au 12 juin 2021 et par la suite sera rendu disponible. À tout moment durant l'activité, vous êtes invité à inscrire vos questions dans la boîte de conversation disponible sur la plateforme regardez-moi.ca. Vous pourrez également y contacter Marianne pour tous les pépins techniques, les questions ou les problèmes. Donc, c'est un peu notre ange qui s'occupe de ça aujourd'hui. Nous pourrons répondre en rafale aux questions à la fin de l'activité. Sachez cependant que les questions posées ne seront pas nécessairement sur une base de premier arrivé, premier servi. On va tenter de répondre aux questions qui n'auront pas nécessairement trouvé de réponse dans le cadre de la discussion ou qui vont être les plus populaires sur le chat, sur la boîte de discussion. Si jamais dans la discussion, il y a un élément important qui ressort de la conversation, on va tenter d'en tenir compte. Alors, Marianne sera votre voix. C'est le moyen qu'on a trouvé pour vous offrir une activité virtuelle qui soit la plus éco-responsable possible. Vous devez cependant savoir qu'il y a un bref délai entre le panel et la diffusion sur la plateforme. Donc, on va tenter de rester le plus pertinent possible. Finalement, ben, vous sachez qu'une vaste majorité des invités et conférenciers d'aujourd'hui, que tous les animateurs participants à Effet Transition le font à titre bénévole. C'est notre première édition, donc on ne sera peut-être pas parfait ce matin ou lors des prochaines activités, mais on essaie, on fait notre possible, on apprend et on garde le sourire, donc vos commentaires constructifs seront aussi les bienvenus. On vous demande donc aussi d'agir dans le respect et la bienveillance dans toutes vos interventions aujourd'hui. Et maintenant, ben, je vous laisse entre les mains de Julie Roy, de la Fondation David Suzuki. Je reviendrai pour le mot de la fin. Julie, à toi pour la suite. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à l'Effet Transition pour l'invitation.
On est vraiment ravis d'être avec vous ce matin. Merci à vous tous et toutes de passer votre samedi matin. J'espère que vous avez un petit café et que vous êtes prêts à écouter les intervenants du jour. Je vous assure que ça vaut la peine de passer son samedi matin ici parce que les gens qui sont avec moi aujourd'hui sont merveilleux, inspirants, exactement au même titre que Laval en transition. Donc moi, je m'appelle Julie Roy, je travaille à la Fondation David Suzuki en mobilisation citoyenne. Je suis assez chanceuse parce que dans ma vie de tous les jours, je ne fais que côtoyer des gens comme les invités que vous allez découvrir aujourd'hui. Laval en transition aurait pu tout à fait faire partie de ces initiatives qu'on vient présenter. Mais là, on a voulu vous montrer que Laval en transition, aussi merveilleux qu'ils sont, ne sont pas une exception. Il y a beaucoup, beaucoup de citoyens et d'initiatives similaires à travers le territoire québécois. Donc, on a invité 4 d'entre eux ce matin pour vous présenter des initiatives diverses et variées de transition, de protection du territoire. Et peut-être que ces histoires vont vous inspirer et vous donner le goût à vous aussi de passer à l'action. Donc, je vous présente nos 4 invités du jour. Donc, on a Céline Audrey de Demain Verdun qui est avec nous. Ensuite, elle sera suivie de Benoît Parodeau de Alma en transition. De Patricia Chalifour de SOS Boisé de la Pinède à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on va terminer avec Marie-Claude de Croque ton quartier à Québec. Donc merci à tous les 4 d'être là aujourd'hui. Comme Alexandre le mentionnait, non seulement vous êtes bénévoles, vous êtes là bénévolement et en plus vous êtes tous impliqués dans vos communautés. Donc je mesure bien le temps que vous consacrez à ça. Si vous le faites, j'imagine que c'est parce que vous en tirez du plaisir et que ça a des avantages de s'impliquer dans sa communauté. Donc, c'est exactement ce qu'on va regarder ce matin. Donc, on commence par Céline Audrey Beauregard de Demain Verdun. Bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir parler de qu'est-ce qui se passe dans notre super quartier de Montréal. Donc, je vais me permettre de vous partager mon écran dans un premier temps pour vous présenter avec des images, puis du contenu, qu'est-ce qu'on fait à Demain Verdun. Alors, Demain Verdun, c'est un regroupement citoyen. On est tous bénévoles et on est non partisans. Donc, c'est une valeur qu'on a choisie. L'histoire, elle commence, dans le fond, en 2018, il y a eu une présentation de Diego Kremer, qui est co-auteur du livre « Demain le Québec ». On a la chance d'avoir Diego comme citoyen verdunois. Il était venu à la librairie Verdun présenter ce livre-là. Et dans l'audience, il y avait quelques personnes qui ont été inspirées, dont Emmanuel Falaise. Et il y avait aussi présent Pierre Gauthier, qui est un autre citoyen, Francis Waddell, et peut-être que j'en oublie. Et Emmanuel est ressorti de cette présentation de livre-là et inspirée. Elle s'est dit « Qu'est-ce que moi, je pourrais faire à Verdun pour essayer de donner un vent de changement? » Donc, ça commence de là et a créé une page Facebook, un groupe Facebook, pardon. Et initialement, ce groupe-là mettait en lumière des initiatives comme des commerçants, des initiatives citoyennes qui existaient déjà. Là, de fil en aiguille, ça a commencé à jaser dans le quartier. Puis on s'est dit, bien, peut-être qu'on pourrait se réunir pour réfléchir ensemble de qu'est-ce que pourrait être Demain Verdun. Donc, c'est de là qu'en juillet, on a eu une petite rencontre dans un café du coin, au Café Fréjus. Et c'est là que le brainstorm a commencé. On s'est dit, bien, qu'est-ce que pourrait être Demain Verdun? Et de là que l'idée est venue d'aller à la rencontre des groupes qui existaient déjà. Donc, il y avait déjà des initiatives par rapport à la mobilité active, par rapport au verdissement. Et on a aussi décidé de créer des comités. Donc, de se dire, ben, peut-être qu'il y en a qui aimeraient agir au niveau de l'éducation, au niveau de la démocratie, de la politique, au niveau de plein d'autres, de l'environnement. Donc, on voulait essayer d'aller toucher les intérêts de tout et chacun. Et c'est à ce moment-là également qu'on a mis en place, qu'on a organisé un événement qui s'est tenu un petit peu plus tard en août de cette même été-là, en 2018, dans le sous-sol de notre cher café Zéro Déchet, le café Le Cinquième. Donc, dans cet espace-là, se sont réunis peut-être une trentaine, quarantaine de personnes initialement et on a pu lancer des idées, partager avec les citoyens de le concept de base qui avait été imaginé avec les personnes qui s'étaient réunies en juillet.
Et on voulait aussi donner la place aux gens de partager des nouvelles, des idées de projets. Donc, qu'est-ce que les gens auraient en tête à faire pour aider à la transition? Mais c'est important pour moi, pendant mon partage, de souligner qu'on essaie aussi de maximiser les efforts pour solidifier les liens sociaux, parce qu'on sait que c'est pas toujours tout le monde qui est super qui a un attrait pour tout ce qui est environnement. Donc, on essaie aussi de créer des événements ou des projets qui sont aussi parallèles pour nourrir le tissu social parce qu'on pense que c'est vraiment essentiel pour la suite des choses. Alors, voilà pour ce 18 juillet. Donc, depuis ce temps-là, il y a plusieurs rencontres annuel, peut-être pas en ce moment en personne, mais il y a eu plusieurs rencontres dans des parcs à l'intérieur pour essayer de faire avancer tous ces projets-là. Quand on fait ces rencontres-là, il y a des nouveaux projets qui sont créés, des nouveaux comités. Mais durant l'année, il y a plein de Verdunois qui se rencontrent dans leur salon, dans leur cours, pour parler de projets spécifiques. Et c'est là que je vais prendre un petit instant pour vous les présenter le plus que je peux. Je vous invite d'ailleurs à aller voir notre page Facebook pour notre site web qui est encore plus complet que la présentation que je vous ai faite ce matin. Un des événements qui a quand même eu beaucoup de popularité, c'est nos mégofests. Donc, on s'est inspiré de ce qui se faisait en Europe. On avait vu qu'il y avait des bars qui avaient proposé aux gens de remplir des verres de mégots en échange de bières gratuites. Et nous, à Verdun, on a quand même 3 stations de métro. On a des places qui ont des gros consommateurs de mégots aussi. Donc, on s'est décidé de ramasser ça et on est allé voir notre microbrasserie du coin, qui est le Benelux. Et on leur a jasé. On leur a dit, savez-vous qui se fait ça en Europe? Camar, la gérante, était comme, c'est tellement une bonne idée. Et de là est né les mégofests. Donc, ici, vous avez deux jeunes Verdunois qui sont très actifs. Donc, cette fois-là, on avait ramassé au-delà de 50 000 mégots, puis il y avait environ 50 participants. Donc, ça, on est vraiment fiers. On en a fait d'autres à d'autres moments. Puis, pendant la pandémie aussi, on a fait des mégofests à la COVID. Donc, on incitait les gens à les ramasser. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les... Anne Chevrier, c'est notre Verdunoise qui est comme la guerrière des mégots. Elle invite les gens à aller déposer ses gels ou à venir les chercher. Et on envoie ça à TerraCycle pour qu'il y ait un recyclage de certaines parties du mégot. En tout cas, on ne veut certainement pas qu'il se retrouve dans notre fleuve, ça, c'est certain. Aussi, avec une autre initiative de Verdun qui s'appelle Ciné-Verdun, on a organisé des projections inspirantes envers la transition avec de multiples vidéos. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Toutefois, souvent, les droits de films sont quand même chérants. Donc, à vous de voir là, comment on peut organiser ça. Mais je tiens à être quand même transparente. Là, les droits de films, c'est quand même des coûts qui peuvent représenter autour de 200 $. On a aussi, c'est ça, on essaie d'être là lorsqu'il y a des événements, que ce soit des événements en lien avec l'agriculture, que ça soit en lien avec aussi lors des ventes trottoirs. Donc, on essaie toujours d'avoir une table pour aller rencontrer les citoyens puis les inciter à s'impliquer avec nous. On a des conseils d'arrondissement à chaque mois. Là, maintenant, c'est virtuel. Avant, c'est bien évidemment en personne. On essaie d'interpeller les gens à se mobiliser pour des questions, pour faire des suivis de projets. Lors de cette photo-là, c'était Éric qui est au centre, qui déposait une pétition pour d'un mouvement qui s'appelle Verdun sans bouteille. Donc, il essaie d'éliminer les bouteilles à usage unique. Donc, on est allé l'appuyer là-dedans. On a un mouvement aussi qui s'appelle, pas un mouvement, mais dans Demain Verdun, ça regroupe plusieurs projets, peut-être que vous l'avez compris. Et un de ceux-là, ça s'appelle l'Escouade verte de Verdun, qui reverdit le quartier. Donc ça, on est vraiment fiers. On a beaucoup de gens qui mettent la main à la pâte à ce niveau-là. L'été dernier aussi, on avait invité les gens à embellir un espace. C'est un stationnement étagé bétonné qui est affreusement laid et qui a vraiment besoin d'amour. Donc, en collaboration avec la Société de développement commercial, il y a encore une fois une cinquantaine, même plus une soixantaine de Verdunois qui étaient venus aider à peinturer différentes colonnes. Donc, on aime ça embellir le quartier. On a aussi la mouvance de Prop à Verdun. Donc, ça, c'est des gens qui ont un amour
inconditionnel pour les déchets. Donc, on veut avoir nos rues, nos parcs, nos ruelles, nos berges vraiment plus propres. On faut comprendre que nous, ici à Verdun, les gens ils viennent beaucoup, surtout pendant la pandémie, pour profiter de notre plage urbaine et de nos berges, mais ça engendre énormément de déchets. Donc, on a des vaillants verdunois qui ramassent ça, qui prennent des photos, qui partagent et qui incitent les gens à faire pareil. L'année passée aussi, on avait fait un événement en lien avec la librairie. Donc, on avait fait venir différents auteurs en lien avec la transition. Serge Mongeau pour la simplicité volontaire, Yves-Marie Abraham pour la décroissance. Et malheureusement, on n'avait pas pu recevoir Laure Waridel, qui était le 19 mars ou le 14 mars. Là. Mais ce n'est que partie remise. Donc, peut-être ça, faire des événements, si vous avez une librairie, mettre de l'avant des livres, c'était vraiment très populaire. On invite les gens à passer à l'action. Donc, ça, c'est n'importe quoi. Les citoyens, ils peuvent nous écrire, nous dire « Ah, moi, j'ai pensé à ça, ça serait chouette de se mobiliser. » Cet été, on s'est mobilisé pour ramasser, pour arracher de l'herbe à poux. Nous, c'est un contexte qui nous touche particulièrement par rapport aux allergies, puis parce qu'on est accessible, on a accès à des grandes talles d'herbe à poux dans notre quartier. On a aussi créé un jardin de biodiversité en collaboration avec l'arrondissement et la Maison de l'environnement. Donc, de toujours essayer de collaborer avec la ville, c'est une bonne chose pour essayer de repenser les espaces vacants ou les espaces verts. Donc, ça, c'est une opportunité qu'on a eue. Puis, on a pu aussi planter des espèces qui aident les monarques. D'ailleurs, on avait vendu avec la Maison de l'environnement des graines d'asclépiade, puis on avait ramassé comme 200 $. Donc, ça, on était vraiment contents. On a aussi un groupe qui est le comité d'écriture. Donc, eux, ils organisent des ateliers d'écriture dans le quartier, que ce soit sur des thèmes ou des questions particulières. Pendant la pandémie aussi, ça s'est fait en virtuel. Les gens, ils sont d'une telle créativité. C'est des vrais artistes et c'est vraiment beau d'écouter ça. Puis ça aussi, c'est une façon de se conscientiser à notre monde, à la société, etc. Et bien, c'est ça, on se rend compte souvent pour réfléchir, passer à l'action. On a eu la chance aussi d'être accompagné par l'incubateur de la Maison d'innovation sociale. Donc, si jamais vous avez un projet citoyen, il y a différentes instances, dont la Maison d'innovation sociale, qui offre des incubateurs d'accompagnement. Donc, nous ont vraiment aidés dans la définition de notre mission, de nos actions, de notre stratégie. Donc, je vous conseille ça fortement. Puis, dans les autres actions, on a mis ensemble les cafés de Verdun parce qu'il y a un réseau de tasses consignables de la vague qui s'appelle La Tasse. Et on était vraiment tristes de voir que nous, dans notre quartier, il n'y avait qu'un seul café sur 15 qui avait utilisé ça. Donc, ce qu'on a fait avec Francis Waddell, que vous voyez sur la photo, on est allé à leur rencontre, puis on a essayé de les inciter, puis de créer une famille. Donc, de dire, hey, la gang, si vous commandez tout le monde ensemble, ça va être beau. Puis comme ça, les gens peuvent prendre un café à un endroit. S'ils ont oublié leur tasse, ils payent un 5 $ de consigne. Ils marchent, ils marchent, ils marchent. Ils ont fini de boire. Ils remettent à l'autre café qui fait lui aussi partie du réseau et on lui remet son 5 $. Là, vous allez me dire, oui, c'est bien beau. Là. Je vous dis, nous, on n'a pas de local. On n'a pas beaucoup d'argent. On est vraiment motivés, par exemple. on a pu faire tout ça, par contre, en créant un OBNL parce que c'est plus facile pour collaborer avec l'arrondissement. Donc, on est enregistré. On a un compte de banque maintenant pour qu'on puisse appuyer toute initiative citoyenne qui n'a pas le temps de faire tout ça. Et on s'est inspiré de NDG en transition qui était venu à Verdun jaser avec nous. Il nous disait qu'il faisait une vente de garage. Donc, on a fait ça quand c'était possible à l'avant-trottoir. Et on est fiers d'avoir amassé quand même 1 500 $ qui sont quand même assez suffisants là, pour le type d'événement qu'on fait. Et on va toujours à la rencontre des organismes communautaires, des commerçants. Puis c'est fou à quel point ils sont gentils, ils sont prêts à nous donner, à nous prêter des choses, à partager des locaux. Donc, n'hésitez jamais à aller dans votre communauté puis à essayer de combler vos besoins avec les personnes parce que c'est des partages. En fond, eux aussi, ils sont gagnants puis ils découvrent assez rapidement. Et on est rendu maintenant avec des assemblées générales et on a élu notre premier conseil d'administration qui va nous aider à devenir encore plus structurant pour la suite. Je voulais aussi vous laisser en disant qu'un infolettre, nous, on a une vaillante Florence Gauthier qui est dans notre comité de coordination qui crée l'infolettre. C'est aussi une bonne façon de garder contact avec les personnes. Nous, je pense qu'on est rendu à près de 400 abonnés qui sont informés de nos événements. Puis on essaie aussi d'intégrer du contenu de nos autres partenaires. Donc, je vais juste arrêter mon partage d'écran pour vous dire, pour la suite,
nous, on est toujours ouverts si jamais vous avez des questions. Si, là, j'essaie de vous présenter plein d'idées de ce qu'on a fait pour vous inspirer. Mais sinon, nous, on va se clencher pour les élections municipales, puis on va essayer de devenir encore plus structurant pour pouvoir accompagner le plus de citoyens possible. Donc, c'était un plaisir de vous partager les projets de Demain Verdun. Wow, merci Céline Audrey, c'est impressionnant de voir tout ce que vous faites. Et puis comme tu le mentionnais, avec pas de budget, pas de local et juste beaucoup de jus de bras et de cerveau et de fun, ça se voit dans votre présentation. Sachant que tout a commencé dans une petite librairie, c'est fou de voir le chemin qui a été parcouru en 2 ou 3 ans. Merci beaucoup Céline pour ta présentation. Je vais passer la balle à Benoît de Alma en transition. Et bonjour, donc je vais vous partager l'écran. Ça ne sera pas bien, non? Est-ce que vous le voyez? Pas encore. Pas encore? Ok. Ah non, je suis... Excusez. C'est moi qui... D'habitude, je suis meilleur que ça, là, mais... On va dire que c'est le stress. Là, vous le voyez? On le voit, c'est beau. Est-ce que vous voyez le plein écran ou vous voyez les vignettes à côté? Plein écran, c'est beau. OK, parfait. Donc, Allemand en transition, donc c'est un mouvement, on ne peut pas dire que c'est un organisme parce qu'on n'est pas organisé, mais c'est un mouvement qui a commencé en 2013. Puis, il n'y a pas vraiment de... C'est un peu comme Québec solidaire, il n'y a pas vraiment de leader particulier, on est plusieurs co-porte-parole qui se succèdent d'une façon anarchique, ce qui fait qu'on a des projets qui sont assez éclatés, là, qui naissent d'eux-mêmes par des initiatives personnelles ou par groupe. J'ai essayé de regrouper les principales activités qui ont été faites, mais c'est sûr que je ne suis pas la mémoire complète d'Allemand en transition. Notamment, ça a commencé avant que je m'y applique. Ça a commencé avec des cafés transition, où il y avait des petites conférences le soir faites sur les déchets, faites sur le compostage, différentes affaires. Puis, ça marche, ça défile pas, mon. Non. Là, vous en voyez-tu une, là? On voit juste la page d'intro. Excusez. Là, ça marche? OK. Ça, c'est quoi? J'ai 2 écrans, donc ça joue des tours. Donc, en 2000, moi, ce que j'ai fait, là, j'ai fait une rétrospective de ce qu'on a fait. Puis, comme je n'ai pas une bonne mémoire, j'ai googlé ce matin Allemand en transition. Et j'ai pas précisément ressorti les articles qui ont sorti sur Allemand en transition. Mais je trouve que c'est un exercice très intéressant parce qu'un organisme ou un mouvement, s'il n'est pas présent dans les médias, malheureusement, il n'existe pas beaucoup. Donc, ben, je trouve ça intéressant de me fier à ce que le web nous fait ressortir. Donc, en 2014, il y a eu les partageurs. Donc, partageurs, ça, c'est vraiment l'idée, c'est que les gens, ils peuvent donner des heures de leur temps pour aider les autres dans différentes actions. Si tu es bon dans le jardinage, ben, tu dis, moi, je suis prêt à aider quelqu'un à faire du jardinage. Si tu es bon en informatique, ben, je suis prêt à faire de l'informatique. Mais tu peux aussi demander, ben moi là, je me cherche quelqu'un parce que j'ai justement un problème, mes tomates rougissent pas. T'sais, est-ce que quelqu'un dans la gang pourrait venir m'aider ou j'ai 70 ans, puis il faut que j'aille désherber, puis j'ai plus le temps, je suis débordé. Est-ce que quelqu'un aurait une heure de son temps pour venir m'aider? Donc ça, c'est parmi les choses qui ont été faites. Sinon, il y a eu le Café L'Accès. Ça a été créé, en fait, l'idée, c'est que c'est pour les gens qui ont le moins de moyens, donc c'est un café communautaire, c'est que tout le monde peut y aller, puis si tu n'as pas les moyens de t'acheter un café, ben, c'est gratuit. Mais sinon, tous les aliments sont à prix modique et on invite les gens à donner plus s'ils en ont les moyens. Donc, mettons un café, je ne me souviens plus des prix, là, mettons c'est 1,50. Ben, c'est pas cher pour un café. Donc, c'est moi, si j'y vais, ben, je vais donner, mettons, 5 $, puis ça va permettre à quelqu'un qui n'a pas les moyens de gratuitement, mais même à ça, ça permet surtout que c'est vraiment pas cher pour ceux qui ont, sans vouloir être gratuits, ont juste moins de moyens. Et tout ça, c'est tenu par des bénévoles. Ça, c'est une des conférences qui avait été donnée aussi en 2015
de Claude Villeneuve. Là, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est quand même quelqu'un qui travaille beaucoup avec qui a créé la chaire d'éco-conseil à l'UQAC, l'Université de Chicoutimi. Et il travaille beaucoup sur la séquestration de carbone. Où Allemand en transition a commencé vraiment à popper dans les médias, c'était en 2015 avec la création du verger collectif du Parc de l'Art. Donc là, c'est vraiment la ville qui a autorisé les citoyens à investir une partie d'un parc pour planter un verger. Puis tout ça, ça s'est fait bénévolement. Il y a eu des entreprises qui l'ont aidé financièrement, il y a eu des dons des gens d'armes. Là, j'avais un peu plus, je me rends compte que c'est vrai que ça passe vite, 12 minutes. Donc, dans quelques chiffres, c'est quand même plus que 50 citoyens qui ont participé. C'était différentes corvées pour venir aider à installer le verger, mais aussi à l'entretenir. Il y a plus que 250 arbres. Donc, c'est quelques photos. Puis après ça, il y a aussi des choses comme des cafés de transition qui ont eu lieu. Un autre événement qui est assez récurrent, sauf depuis le Covid malheureusement, c'est notre fête de semences qui était rendue, il me semble, à la 5e édition. Donc là, on invite vraiment la population à échanger leurs semences. Mais aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on a des conférences de toutes sortes de personnes sur principalement l'agriculture urbaine, puis aussi sur la transition. Donc là, nous, on a hâte de pouvoir recommencer une fois que le Covid va être passé. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que nos projets qu'on a faits finissent par déborder auprès de la ville. La ville elle-même s'est mise à faire des plates-bandes comestibles. Pas beaucoup, mais elle en a fait un petit peu, donc c'est assez intéressant. Puis les jardins collectifs, ça aide à les inspirer aussi de savoir que d'autres personnes investissent le milieu public. On dirait que les autres émergent davantage. Ensuite, il y a eu des fêtes de quartier. Donc là, c'est le quartier Saint-Pierre, où là, c'est un groupe de citoyens qui veulent animer leur quartier. Donc là, comme on voit sur la photo, on a aussi installé un verger en 2018, un four à pain. Et puis, c'est la fête des quartiers qui est à chaque année. Donc là, c'est l'installation. Puis ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment, comme je dis tantôt, une couverture médiatique à chaque fois. Puis ça, c'est motivant parce que Allemand en transition, finalement, on n'est pas tant de personnes à être actives. Là, on n'est pas 100. Là. Mais on arrive à émerger à travers la province. Donc, l'idée, c'est pas d'être connu, mais l'idée, c'est que de démontrer qu'on est capable d'agir localement et que si ça peut donner le goût à d'autres communautés de faire quelque chose, c'est réussi. On ne changera pas le monde, mais si on change notre monde local, là, ça sera toujours ça de gagner. Donc ça, c'est le four à pain. Cette personne, en passant, elle est devenue maintenant conseillère municipale. C'est comme une de nos principales alliées. Donc, tu sais, des fois, c'est qu'un mouvement bénévole comme ça, qu'elle met en transition, ça motive des gens comme Véronique à se lancer dans la scène politique, ce qui n'est pas une mince affaire dans un milieu qui n'est pas de la transition, très masculin, un peu âgé, entre guillemets. Puis c'est pas méchant, mais c'est une certaine réalité. Elle est arrivée jeune politicienne avec des politiciens d'expérience. C'est pas simple. Mais ça fait son bout de chemin, puis ça donne du renouveau pour tout le monde. Puis je pense que toute la société apprécie ça, qu'il y ait du sang neuf. Ça, c'est un de nos grands moments forts avec la demande pour signer la déclaration d'urgence climatique en novembre 2018. Là, on était 65 personnes, on a investi la salle du conseil municipal. Apparemment, c'était jamais arrivé qu'on remplisse la salle. Puis, c'est drôle, je suis même ému de ça. Mais savoir qu'un vendredi soir, on a invité tout le monde pour le lundi à venir à la séance, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a autant de personnes qui ont voulu se déplacer. Parce que le conseil municipal, là, c'est pas extrêmement le fun à suivre. Là. Surtout qu'on est venu par. Ouais, on avait dit qu'on arrivait, mais notre question, qui était la demander de signer la déclaration d'urgence climatique, c'est arrivé à la fin, toute fin. Donc, tu sais, les gens, ils sont arrivés à 7 heures, puis on a pu parler à 19h45. Là. Puis moi, petit tissu en passant, j'invitais le monde, je disais, ça sera pas long, là, ça devrait durer 20 minutes, puis tout ça. Mais finalement, on est tombé sur un conseil municipal qui était assez long.
Donc, puis je dis 10h45, ça se peut que c'était même 8h30. Là. Ah non, c'était quelque chose. Là. Mais c'est ça, ça donnait vraiment du beau moqueur. Parce que par la suite, on a fait notre première marche qui a réuni 300 personnes. 300 personnes à Alma, à 8 décembre, quand il fait moins 25 degrés. On peut être content. Puis ben là, on le voit mal sur la photo, là, mais il y avait beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Puis, il y avait beaucoup des municipaux, mais il y avait aussi beaucoup de fonctionnaires municipaux qui étaient venus à cette marche. Puis ça, ça a été aussi un bon moqueur en disant, bah, OK, oui, la déclaration d'urgence climatique a été reçue un peu comme, pas froidement, mais tu sais, elle a surprise le maire, mais savoir qu'après ça, des élus et des fonctionnaires de la ville nous ont rejoints, ça nous a comme fait dire, OK, c'est correct, tu sais, on a des alliés bien plus qu'on pense. Après ça, on a refait une autre marche le 27 avril. Là, on était plus que 100, mais c'est dans avril, il mouillait, mais c'est pas grave. Tu sais, savoir que tout le monde s'est déplacé de même, là, c'est assez satisfaisant. Donc, ça, c'est une autre photo. Après ça, en 2019, on a fait un nouveau verger. Donc là, c'était intéressant parce que le premier verger de là, en 2015, qui a été fait, la ville nous avait donné un espace public peu investi, désuet, dans un quartier où il y a beaucoup moins d'enfants. Et là, les plaines vertes, c'est vraiment au centre de la ville d'Alma. C'est vraiment là où il y a les spectacles qui se font. C'est là où il y a le grand centre sportif. Puis là, on nous a dit, ben, vous pouvez l'investir, ce lieu-là, pour faire vos plantations. Puis moi, pour la première fois, j'ai dit à un des fonctionnaires qui voulait que j'en fasse beaucoup, j'ai dit non, on va en faire un petit peu moins, parce que là, je voyais que le projet prenait beaucoup d'ampleur. Là. Donc, on sent qu'on est comme poussé par la suite. Là. Et il y a des choses qu'on a encore des débordements, parce que le parc de là où il y a le premier verger, qui était le parc était désuet, ça. Mais depuis, ils ont refait des jeux pour les enfants. Et là, ils ont fait une boîte à jouer. Donc, ça veut dire que les enfants, ils peuvent venir jouer ici. Il y a des jeux qui sont déposés gratuitement pour jouer dans le parc, une sorte de jouer. Donc, tu sais, c'est le fun de voir que ça, c'est des initiatives de la ville d'Alma, de la conseil municipal qu'on voit ici. Donc, tu sais, un parc qui était inexistant est devenu un des parcs les plus modernes, entre guillemets, tu sais, avec des idées modernes, c'est un verger collectif, avec un parc, avec des jeux pour les enfants, puis avec une boîte de jeux pour les enfants en plus, de jouer. En 2019, parce qu'on ne voulait pas juste faire des marches, parce qu'on veut laisser une trace, on a fait une semaine d'environnement. Il y avait notamment des conférences, mais il y avait aussi du ramassage de déchets qui était organisé en collaboration avec Produits Forestiers Résolus. Il y a eu une plantation de micro-forêts. Ça, je vous invite à voir, à cliquer. Ben là, vous pouvez pas cliquer, mais allez sur YouTube et marquez micro-forêt Alma, puis vous trouverez le reportage. Ensuite, cette année, ce qu'il y a eu, il y a eu une plantation d'arbres, de 400 arbres qui a été organisée avec l'aide de... voyons, j'ai oublié le nom de l'organisme qui plante des arbres. Voyons, je suis désolé. Ça va me revenir tantôt. Voyons. En tout cas, bref. Et sinon, il y a un autre organisme qui s'est créé. Là, c'est vraiment un organisme qui s'est créé. Les butineurs qui, eux, invitent toutes les entreprises qui ont des surplus de légumes à autoriser la population à venir les cueillir. Mais ça peut être aussi vous et moi, j'ai un pommier qui est chargé de fruits, puis je suis pas capable de toutes les manger, les pommes. Bon, est-ce que vous pouvez venir les cueillir? Puis un tiers de la cueillette va souvent au propriétaire, un tiers de la cueillette va aux bénévoles, puis un tiers est donné à des organismes communautaires. Et ça, je vais pas les chiffres, là, mais ça a été vraiment des tonnes de fruits et légumes qui ont été cueillis cette année. Donc ça a été une grosse implication d'une bénévole d'Allemagne en transition et maintenant est chargée de projet pour cet organisme-là. Donc tu sais, Allemagne en transition, c'est pas organisé, mais ça permet, ça aide à d'autres personnes, ça donne le goût à d'autres personnes de s'organiser. Tu sais. Ensuite, un autre projet pour 2020, que là on est en campagne de financement, c'est un projet de serre énergie passive communautaire. Dans la même optique qu'on a des vergers, on aimerait ça avoir une serre. Là encore, c'est pareil, c'est faire pousser des légumes, faire des plants de légumes, en donner une partie à la population, en donner une partie à des gens qui sont plus dans le besoin. Puis si je vous invite, si vous voulez y participer, la campagne, elle dure toujours.
Ça, c'est juste pour un petit clin d'œil pour dire on peut faire des choses en tradition, mais on peut aussi en faire juste avec notre propre famille. Moi, c'est des photos que j'ai prises chez nous. Je fais du sirop d'érable avec les érables qui poussent sur un terrain public. Comme tout le monde, à un moment donné, j'ai eu des œufs de poule, puis on a fait éclore les poussins. Ça peut être un gros succès, mais ça fait partie des fois des expériences qui ne marchent pas, mais c'est pas grave. Ça, c'est juste pour montrer les forêts nourricières qui sont développées en marge de tout ça, mais c'est juste pour dire que on baigne dans un environnement qui tend vers la transition. Dans une partie de l'environnement, tu sais, il y a encore plein de monde que ça les intéresse pas, mais tu sais, il y a quand même de plus en plus de projets. En passant à côté, c'est mon petit garçon. Puis c'est juste pour dire que c'est intéressant de voir qu'on est capable de faire des activités avec nos propres enfants, de faire partie d'un mouvement. Puis lui, il grandit avec ça. Lui, pour lui, c'est l'agriculture urbaine, c'est quelque chose de normal. T'sais. Donc, ça, c'est satisfaisant. Puis, si je regarde tout ça, je pense que la transition est en train de s'ancrer tranquillement. Pas assez vite à mon goût, mais en train de s'ancrer. Dans notre municipalité, il y a comme une belle acceptabilité sociale quand même. Là, c'est pareil, c'est pas parfait, mais quand on voit d'où on part, on est content où on est arrivé actuellement. Tu sais, actuellement, la ville donne par année à 20 000 $ disponible pour la population pour faire des projets en agriculture, en projet de développement durable. Donc, tu sais, 20 000 $, c'est pas beaucoup pour la ville, mais quand on sait qu'il y avait rien avant, on est quand même content que monsieur et madame tout le monde peut monter un projet puis soumettre à la ville pour bénéficier de subventions. Juste pour finir, j'aime cette photo-là parce que je trouve qu'elle symbolise ce qu'on devrait tout le temps être. Ça, c'est mon petit garçon, je me souviens, je débarque de l'auto, il n'avait jamais mangé de raisins de sa vie, il les a jamais vus, il a vu ces fruits-là, puis il les a goûtés. Puis c'est ça, des fois, on a le droit de foncer sans savoir, puis de faire nos propres expériences, puis comme j'ai écrit, goûter à vos rêves, parce que tout ce qui a été fait avec la tradition, dans ceux que j'ai plus piloté, j'aurais jamais cru que ça se réalise. Puis finalement, ça se réalise. Puis à chaque fois, je me dis, voyons, dans quoi je m'embarque là? C'est sûr que je vais me planter. Puis pas pour faire de mauvais jeu de mots, mais tout s'est planté justement. T'sais. Les arbres que j'ai rêvés, ils se sont plantés puis ils poussent actuellement. Donc, c'est ça. Désolé d'avoir été trop long. Merci. C'était pas du tout trop long, c'était super inspirant. Merci Benoît, ça, tu donnes le goût de déménager à Alma en transition. De déménager à Alma, je veux dire. Et c'est super le fun de voir que vous avez inspiré d'autres municipalités, que la vôtre a embarqué avec vous, qu'il y a plein de bébés qui sont nés après ça. J'espère que vous, derrière vos ordinateurs, vous sentez aussi inspiré. Merci Benoît pour ce témoignage. Pour la suite, je donne la parole à Patricia de SOS Boisé de la Pinède. Benoît, est-ce que tu peux débarquer? Je suis en train de... je suis à nouveau dans... Mais normalement, vous pouvez le faire à ma place si je ne le fais pas. Voulais-tu enlever? Excusez. J'arrive vraiment pas. Je crois que je ne peux pas le faire. Je pense que c'est juste toi qui peux te départager. Ah voilà, c'est bon. Super. Merci Benoît. Et donc Patricia, à toi la parole et l'ordinateur. Tout le monde voit la présentation. Alors, merci beaucoup Julie pour cette superbe invitation. J'aimerais féliciter évidemment toute l'équipe pour cet événement de ce matin, un super samedi, pour le lancement aussi de ce super programme Réseau Demain le Québec. Bonjour à tous et à toutes. Donc, mon nom est Patricia Chalifour. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une autre belle initiative citoyenne, celle de SOS Boisé de la Pinède, où une dizaine de citoyens et citoyennes qui ont à cœur la nature se mobilisent depuis 2 ans maintenant en faveur de la création d'un parc naturel à rayonnement régional sur l'île Sainte-Thérèse à Saint-Jean-sur-Richelieu en Montérégie.
des hauts lieux où on retrouve en fait les derniers vestiges d'une majestueuse pinède qui fut découverte par Samuel de Champlain dans ses expéditions de 1609, incluant un boisé adjacent, dont son lac de 1,3 hectare, des milieux humides, une faune, une flore à protéger à perpétuité. On parle d'un projet d'environ 22 hectares de boisé. Comme vous pouvez le voir sur la carte, l'île Sainte-Thérèse est bordée d'un côté par le canal de Chambly, dont son réseau cyclable, la route verte, et de l'autre côté, la rivière Chelieu qui longe un corridor d'oiseaux migrateurs qui viennent des quatre coins de la planète. C'est pour nous un joyau vert au cœur d'un ensemble de lieux historiques nationaux qui sont reconnus d'ailleurs riches en histoire, gérés par Parcs Canada, qui en fait longe du fort Lennox jusqu'au fort de Chambly, en passant par le fort Sainte-Thérèse de l'île Frayeur, nos voisins. Le boisé, en fait, qui est ici, si vous pouvez voir en bas, tout près du canal, était autrefois un camping qui n'est plus en opération depuis plus de 10 ans. Des sentiers sont déjà aménagés, on peut accueillir des amateurs de plein air en toute saison. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'île Sainte-Thérèse est actuellement urbanisée à 88%. C'est donc le seul îlot de fraîcheur où les citoyens peuvent aller relaxer en deux randonnées, prendre l'air, se ressourcer dans la nature. Autrement, il faudrait prendre la voiture pour aller au seul et unique parc naturel complètement à l'autre bout de la ville, ce qui n'est pas nécessairement dans la tendance quand on parle de diminuer nos gaz, émissions, gaz à effet de serre. C'est en fait en novembre 2018 que les citoyens ont appris que les derniers terrains ici dans la Pinède étaient assujettis à des constructions, incluant son boisé derrière, où on pourrait voir entre 150-200 nouvelles maisons. Alors aussitôt, vous comprendrez que les citoyens se sont mobilisés pour sensibiliser la population joannaise pour l'importance de conserver cette signature végétale unique qu'on retrouve nulle part ailleurs. Alors, regardez la vue que les gens ont lorsqu'ils passent sur le canal en petite embarcation ou tout simplement à vélo sur la route verte. On ne pouvait juste pas rester les bras croisés comme ça sans rien faire. On avait déjà plein d'idées à proposer pour éviter de sacrifier un endroit comme ça pour des taxes. Donc, les membres de SOS Boisé de la Pinède se sont mis immédiatement en mode action et se sont littéralement habités d'un sentiment d'urgence. C'est comme ça qu'est né notre projet de création de parc naturel à rayonnement régional. Donc, 2 ans plus tard, comme dit le dicton, petit projet devient grand. Notre micro-groupe est passé de 4 personnes à 12 membres actifs à l'été 2020, dont 7 personnes constituent le noyau dur. Et comme vous savez, se mobiliser pour des causes tout à fait bénévoles, c'est pas simple, n'est-ce pas? En fait, dans notre groupe, on a décidé d'être dans l'action et je pourrais vous dire qu'en 2 ans, on en a fait des choses. On a misé sur une approche d'abord constructive, politique également. On est axé en mode solution. On a réussi à décrocher un avis de réserve pour la protection de certains de ces lieux-là, le temps de trouver des solutions pour acquérir l'endroit. On a distribué plus de 1000 pamphlets d'information. On a organisé des rencontres entre les élus et les citoyens. On a obtenu une pétition également de 4000 signatures en 4 semaines, je crois. On a fait une levée de fonds qui nous a octroyé 5 000 $ et c'est tout à fait possible que l'on reconduise cette levée de fonds bientôt. On a organisé l'été passé une conférence de presse pour sensibiliser davantage les gens à ce projet. On a sollicité des partenaires potentiels, des organismes en appui au projet. On a recensé 40 programmes financiers où on pourrait peut-être dénicher des argents qui nous permettraient d'acquérir ces lieux-là. On a fait des représentations auprès des élus, des fonctionnaires, des entrevues à la TV locale, au journal local. On a créé un site Internet, un compte Instagram et très récemment, on a lancé une campagne de pancartes prêtes à planter. Tous peuvent se procurer cette pancarte en appui au projet.
En fait, je pourrais vous dire que pas mal tout a été mis en place pour démontrer le bien fondé du projet. Et actuellement, on a un très, très, très bel appui. Un petit conseil que j'aimerais peut-être donner à tous, c'est important de jamais hésiter à cogner aux portes et demander de l'aide. Les députés de vos circonscriptions, les conseillers, ils ont ce devoir de vous écouter, de vous accompagner. Si j'avais à vous parler d'un de nos projets marquants, je vous parlerais de notre vidéo de sensibilisation, celle qui fait la promotion de l'importance de conserver ce qu'on appelle notre petit Central Park à nous. C'est une vidéo qui a été relayée notamment par la Fondation Suzuki et pour laquelle on a eu plus de 27 000 vues. Pour nous, c'était un succès fulgurant, on était très heureux. D'ailleurs, la Fondation Suzuki a fait une mention dans notre page Facebook au lancement et tout ça a créé un engouement monstre auprès des réseaux sociaux et d'autres organismes. Ça nous a permis d'aller chercher l'appui par lettre et le relais de ces organismes-là, de la vidéo. On parle notamment de la Fondation Suzuki, c'est sûr, la SNAP, Nature Québec, Fondation Rivière, la Coalition Verte, le Mouvement écologique du Richelieu. Et il y en a eu d'autres après ça. Dans nos actions gagnantes, je vous dirais que l'acceptation de 3 organismes de conservation qui ont accepté d'accompagner la ville pour acquérir ces lots-là a été un autre jalon important dans cette démarche. Il semblerait que c'était la première fois que des citoyens entamaient des démarches comme ça. Donc, on était très décidés. Dans notre cas, le fait aussi d'amener des solutions sur la table nous a prévalu l'écoute des élus, des décideurs. L'idée de créer un comité de financement dont la mission serait d'aller chercher des argents ou de conduire une étude de faisabilité pourrait aussi faire partie des initiatives qu'on a mises sur pied. En fait, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que toutes les idées sont bonnes. J'espère que cet échantillonnage de démarches vous inspire dans vos causes. Je pense que dans tout projet, tout est une question d'appui, de financement et d'alliance de partenaires. On n'a pas le choix. Donc, c'est ensemble qu'on peut faire la différence. Surtout, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les lancer. Il faut bien les prioriser. Puis, il faut choisir celles qu'on croit qui nous apportent des bons résultats. Peut-être que des fois, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je pense que la réponse, vous l'avez ici. On a un travail, on a une famille, on a tous des obligations. Mais on le fait pour qui? On le fait pour nos enfants, nos petits-enfants, pour le vivant, pour notre maison, la planète. Et dans notre cas, pour 100 000 habitants, à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui pourrait bénéficier de tous ces bienfaits qu'apportent les espaces naturels. En plus, le projet SOS peut générer des emplois, des retombées économiques. La région pourrait jouir d'une belle notoriété où il fait bon vivre, n'est-ce pas? Où sont mis de l'avant des valeurs comme la mobilité et la vitalité qui sont dans les tendances de tout développement durable. Aujourd'hui, on connaît plus que jamais la vraie valeur des arbres. Les villes gagnent à offrir des forêts de proximité à leurs citoyens. Elles procurent beaucoup de bénéfices, une qualité de vie, un sentiment d'appartenance, une fierté, un endroit où il fait bon d'élever sa petite famille. Pour nous, les possibilités sont inimaginables. Projet où, par exemple, on peut se rendre au parc à pied ou sur roue. On a pensé au quadricycle, en vélocipède, et pourquoi pas en pitbus. Des petites embarcations comme le canot, le kayak, à bord de petits bateaux électriques, c'est un projet qui s'en vient l'été prochain. On a même pensé organiser des petits ateliers d'éveil à l'écologie dans le boisé, des lectures en plein air pour les enfants, des soirées cinéma sous les étoiles, des pique-niques communautaires. En fait, des limites, il n'y en a pas, ce sont celles qu'on s'impose, n'est-ce pas? Moi, j'ai envie de vous dire que quand la détermination est là et que les gens travaillent ensemble, que les objectifs sont réalistes, tout est possible. Une chose qui est très importante, si j'ai un petit conseil à vous donner, toujours prendre du temps pour vous ressourcer, prendre un peu de recul, ne pas tomber dans le piège lorsqu'un non est un échec. Ce n'est pas nécessairement un vrai non.
Un plan peut changer, mais il faut toujours coller à sa mission de départ. Il faut être cohérent. Je vous dirais aussi que se joindre à une équipe où les personnes partagent les mêmes valeurs et ont des forces complémentaires, ça peut être très, très propulsant un effet de levier. En terminant, j'aimerais peut-être vous laisser sur une citation qui m'inspire beaucoup de Margaret Mead, qui dit comme ça, « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés peut changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. » Alors voilà, en fait, j'espère que, je vous remercie de votre écoute surtout, j'espère qu'on vous a donné des petites idées inspirantes, que notre histoire vous donnera des ailes, que vous saurez entreprendre dans vos communautés des beaux projets de transition. Alors, bonne transition à tous et à toutes. Ouais, mille merci, Patricia. Écoute, pour tes conseils et de partage, d'aller chercher d'autres mondes, de ne pas être seule dans ça. Puis on se croise les doigts très, très fort pour que votre petit Central Park soit préservé et qu'il ne soit pas détruit par des constructions et des condos, et de la construction immobilière et des condos. Donc, en tout cas, si vous gagnez, ce sera vraiment grâce à vous. Enfin, si c'est préservé, ce sera vraiment grâce à vous. Donc, on vous soutient, on est là le plus possible. Merci beaucoup, Patricia. Pour conclure ces témoignages, on passe à Québec. Maintenant, je donne la parole à Marie-Claude de Croque ton quartier. Bonjour. Oui, moi, c'est Marie-Claude de Croque ton quartier. Justement, nous, on est à Beauport, dans la ville de Québec. Puis, je suis la cofondatrice de Croque ton quartier, qui a été créée en 2017. Bon, je vais vous partager mon écran pour avoir un support visuel. Comme ça. OK. Alors, est-ce que tout est beau? Oui, ça fonctionne. Donc, nous, c'est ça. Depuis 2017, ça a vraiment... Ben, je dis nous, mais je pense que c'est le cas pour tous les projets. Ce qui était à la base, Croque ton quartier, a vraiment été transformé. Notre mission, c'est favoriser l'empowerment. Ça, c'est un mot qui est dur à dire, mais qui est tellement beau qu'on peut pas ne pas le mettre dans notre mission. Collectif des citoyens par la co-création d'espaces collectifs nourriciers dans une perspective de développement durable et de communautés résilientes et solidaires. Donc, à la base... OK, c'est ça. À la base, c'était dans notre quartier qu'on n'avait pas de parc de proximité. Puis tout à coup, un bon matin, la ligne d'hydro a été démantelée. Et puis là, j'ai regardé mon chum et j'ai dit « Oh non, on a un problème, je vais être encore l'extraterrestre » parce que là, ça faisait quelques années qu'on était dans notre quartier. Je connaissais personne vraiment. Tout le monde prenait des marches, mais on se saluait à peine. Puis en tout cas, c'était quelque chose qui était très manquant dans le quartier. Puis c'est ça, je savais qu'il y avait une fille avec qui on avait un atelier de couches lavables qui habitait un peu plus loin, je savais même pas son nom de famille. On s'est écrit, puis j'ai dit là, il y a quelque chose à faire avec ça. Puis elle aussi, elle voulait faire quelque chose. Donc on s'est dit, nos valeurs environnementales, on parlait fort, nos valeurs sociales aussi. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer, utiliser cette bande-là pour avoir un espace dans le quartier qui se rassemble et faire un projet pour les citoyens, pour préserver l'environnement en même temps. Donc, ça a commencé comme ça, avec une petite affiche qu'on a fait imprimer, rencontre d'information. On a mis ça avec des ballons d'anniversaire de quelqu'un qui avait eu dans la fin de semaine, qui devait se départir. Puis, on a dit à 6h30, ça serait le fun qu'on se rencontre. En espérant fort, fort qu'il y ait des gens, parce qu'on se disait, on l'avait invité le conseil d'arrondissement, puis on se disait, ça serait vraiment chouette qu'on ait eu l'air de pas juste être deux. Et finalement, ça a eu l'air de ça. On était presque 100. Fait que les gens arrivaient en masse. Puis on se disait, ben voyons, où est-ce qu'ils vont, tous ces gens-là? Puis ils s'en venaient nous rencontrer pour rêver de notre quartier. Fait que ça a été super emballant. Moi, j'en étais complètement déstabilisée. Habituellement, j'étais assez à l'aise en public, mais là, je tremblais. Fait que ça a été vraiment un coup de motivation pour notre projet. Et à cette soirée-là, vous voyez un peu la bande là, qui est derrière les gens, puis ça continue aussi devant là, sur une longue durée. Les gens ont dit ça serait chouette de faire un parc linéaire comestible, donc faire une forêt nourricière qui s'étendrait sur toute la bande, puis que cette forêt nourricière-là devienne notre milieu de vie dans le quartier.
Fait qu'on était super emballés. Et c'est de ça qu'on, c'est ce projet-là qu'on a mis de l'avant. Donc, de ça, un comité s'est créé suite à cette rencontre-là. Donc, on a un noyau qui est impliqué. On a des membres hors comité qui sont impliqués aussi. Et puis, c'est ça, là, finalement, la première année, on a pu faire un espace collectif nourricier éphémère, donc avec le programme Place éphémère de la Ville de Québec. Puis, c'est ça, nous, en fond, notre enjeu pour mener à bien nos projets, c'est beaucoup... on est un peu la ville, c'est pas trop comment nous prendre. T'sais, la Ville de Québec, c'est une grosse ville. Puis là, étant donné que notre projet touche les loisirs et l'agriculture urbaine, on sait jamais trop dans quel département qu'on cadre. Et puis là, il y a toujours des réajustements. C'est un terrain ville, donc ça amène des inquiétudes côté la pérennité du projet. Est-ce que c'est une bulle qui vous passe présentement, qui va durer dans le temps? Tout ça. Fait que la majorité de notre énergie est vraiment mise pour rendre l'espace permanent. On nous a dit quand vous allez pouvoir planter en sol, ça va vouloir dire que votre projet est permanent. Et on ne peut pas encore, là, ça va faire 4 ans, on n'a pas encore l'autorisation de planter en sol, mais ça débloque là, ces temps-ci, puis on a espoir là, que ça serait peut-être dans les prochains mois ou début de la prochaine année là, qu'on va avoir l'autorisation, fait qu'on est très énervés. Fait que, il y a eu des plaintes citoyennes qui avaient été faites en 2018, il y a eu une menace de fermeture de l'espace, puis en quelques heures, en 6 heures, il y a eu près de 100 citoyens qui se sont déplacés pour dire à la municipalité « Non, on ne veut pas que ça ferme, c'est important pour nous cet endroit-là, puis on veut que ça perdure. » Fait que c'est vraiment touchant de voir à quel point je me sentais l'extraterrestre à la base et que finalement, on voit qu'on est plein d'extraterrestres dans un quartier, puis il suffit de mettre l'idée de l'avant, puis d'y croire, puis les gens embarquent. Puis à chaque fois qu'on va au conseil d'arrondissement, parce que c'est quelque chose aussi qu'on veut mettre de l'avant là, pour assurer le changement plus tard, c'est que les citoyens aient accès au conseil d'arrondissement, qu'ils sachent l'impact qu'on a en se déplaçant. Puis à chaque fois qu'on y va pour des demandes pour le projet, on se retrouve une cinquantaine là, à se déplacer. C'est super chouette. Donc, notre projet, oui, c'est de l'agriculture urbaine hors sol pour le moment. Donc, des smart pots, des bacs de plantation. Là, vous voyez... ça, c'est notre première édition. Oui, c'est ça. Puis, oui, c'est ça, la deuxième édition aussi. Fait que, dans le fond, pour le moment, là, c'est des bacs de jardinage collectif. Donc, on dit, bon, la terre est mise, tout le monde qui veut rajoute ses surplus de jardin et tout. Et c'est tout le monde qui s'en occupe. Là, on n'a rien à gérer. Là, on n'a pas de calendrier à faire. C'est un voisin qui amène sa hausse pour remplir le bac pour avoir l'eau et tout. Puis, ça se passe super bien. On est vraiment contents. À ça, on ajoute aussi des formations avec un organisme qui s'appelle Crac Bitume à Québec, qui vient nous faire des formations sur le compostage, le jardinage écologique, les semis et tout et tout. Alors, c'est vraiment un lieu de formation. Puis, en même temps, tout le mobilier, là, bien, il y a du mobilier qu'on a fait faire à la base, mais on essaie vraiment le plus possible de récupérer là, le mobilier est déjà existant. Donc, on avait fait des pneus là, qui ne servaient plus, qu'on avait fait peinturer, puis c'est vraiment rendu un mobilier de jeu libre pour les enfants. Puis ça, c'est quelque chose qu'on trouve super chouette de constater à Croc-Ton-Quartier, c'est qu'à la base, on s'est dit « Ah, ce serait le fun, bon, qu'il y ait un coin, jeu libre, un coin jardinage, puis ça va faire une vie de quartier, puis ça va être multigénérationnel, on va être bien contents et tout. » Mais ce qui est le fun, c'est de voir que ça a fait une belle mixité sociale parce que les personnes, ils viennent, disons, pour les pneus avec leurs enfants, pour le jeu libre, et oups, le jardinage, je ne connais pas trop ça, je n'ai pas le pouce ouvert, ça ne m'intéresse pas. Puis là, oups, de fois en fois, ah, ben crème, j'ai goûté là, la morelle, ah, tu sais, c'est quoi ça? Puis là, finalement, ben, je peux-tu faire prendre une petite pouce, je ramène ça chez nous? Puis vice-versa, la même chose, tu sais, les personnes qui sont vraiment là pour l'agriculture urbaine, qui étaient un tempérament plus réservé, qui venaient juste à arroser les choses de façon très discrète, ben oups, on les surprend dans la balançoire avec un livre un bon dimanche matin, à dire « Ah, oh, ben là, j'avais le goût de prendre l'air, on se sent bien ici et tout. » Fait que c'est vraiment chouette de voir comment chacune des sphères s'enrichissent l'une et l'autre. Un autre projet qu'on a eu, c'est pendant la pandémie l'année dernière. Ben on est encore en pandémie, là, mais...
au printemps dernier, on se disait, bon, étant donné que c'est difficile de savoir si on aura l'autorisation de réouvrir au printemps, parce que vous savez, c'est encore éphémère notre lieu collectif. Excusez, hein, j'ai mon enfant qui vient de me trouver au mauvais moment, depuis tantôt c'est tranquille et puis tout à coup ça crie. En tout cas, désolée, j'espère que vous m'entendez bien quand même. C'est ça. On s'est dit comment qu'on pourrait faire pour garder le volet agriculture urbaine puis s'assurer qu'en temps de pandémie, ça perdure dans le temps parce qu'on trouvait que c'était un moment qui était criant pour l'autonomie alimentaire, pour la sécurité alimentaire aussi. Donc, on a eu l'idée de faire... c'est Alexandra, là, dans le comité, qui a vraiment géré ça là, comme une pro, là, de faire des bacs de plantation collectifs comme qu'on avait sur notre place éphémère, mais de l'en faire pour les citoyens. Donc, on a trouvé une entreprise qui est les jardineux-cueilleurs qui ont fait les bacs. Puis, les députés, la Caisse populaire des jardins nous ont financé pour qu'on puisse créer 40 bacs comme ça. Fait qu'on a fait un formulaire en disant aux gens, qui veut avoir un bac de jardinage, on vous livre avec la terre, puis on vous donne un plant, une espèce à découvrir qui est peut-être moins connue pour le plaisir de la découverte, tout simplement. Puis, on a eu 72 personnes là, qui ont rempli le formulaire comme quoi qui étaient intéressés, puis on en avait juste 40. Fait que, avec ça, on a fait une map, Google Map, qui permettait aussi de répertorier les différents bacs qu'il y avait à Beauport. C'était vraiment à Beauport. C'était super chouette parce que là, le but, quand tu avais un bac, tu l'adoptais pour l'été, et ton objectif, c'était de t'engager à le partager avec les voisins et le mettre en façade de ta maison. Donc là, les gens, ils passaient, puis on a rencontré plein de gens comme ça, parce que là, ils viennent piger dans le bac, puis là, tu te présentes et tout. Fait qu'il y en a qui ont créé des amitiés comme ça. Il y en a qui sont fait des partenariats de « Ah, oh, je m'en vais 3 jours à l'extérieur, tu peux-tu venir arroser mon bac, j'arrose le tien après. » Fait que nous, là, c'est ça qu'on trouve magnifique, là, c'est quand la vie de quartier rencontre l'agriculture urbaine, là, il n'y a rien de plus beau. fait qu'on a fait ça, puis même qu'il y avait des gens qui se promenaient en vélo, qui faisaient la tournée des bacs. fait qu'à être en confinement, c'est chouette. On est super fiers de cette idée-là. Comme vous voyez à gauche, il y en a même qui ont élargi leur bac en mettant dans leur plate-bande, puis en mettant toute leur plate-bande à partager. Donc, super chouette. Ça va revenir cette année. Là, je ne peux pas en dire plus parce qu'on n'a pas encore fait notre dévoilement officiel, mais c'est encore plus chouette. Là. Vous suivrez ça sur les réseaux sociaux. On a des nouveaux partenaires, Refavie, la Corporation de développement communautaire de Beauport, qui est impliquée avec nous cette année. Puis, on a un nouveau concept là, qui va être vraiment chouette. Fait que, c'est à suivre. Et puis, c'est ça, à la fin de la saison, bon, ben on trouve important, on réalise que les organismes ont besoin beaucoup là, dans les demandes de subventions et tout, de montrer comment les citoyens seront engagés dans leur projet. Puis, en étant sur différentes tables avec ces organismes-là, j'ai réalisé qu'on ne savait pas, nous, comme citoyens, à quel point on était en demande. T'sais. Fait que les organismes, ils pédalent d'un bord pour ça. Nous, comme citoyens, on pédale de l'autre côté pour faire valoriser nos projets, avoir cette reconnaissance-là et tout. Fait que Croque ton quartier se définit de plus en plus comme le chaînon manquant entre les organismes et les citoyens. Puis on veut que chaque citoyen soit conscient de l'importance de l'impact qu'il peut avoir dans sa communauté, puis que les organismes deviennent un filet de sécurité autour des initiatives citoyennes. Parce qu'on a réalisé, bon, avec la ville, puis la ville, c'est pas de mauvaise foi, là, c'est juste que c'est difficile à changer les mentalités et tout. Puis, à plusieurs reprises, on a eu des bons dents, je pense, comme dans tout projet citoyen. Fait qu'on s'est dit, nous, à la base, on faisait ça pour que nos enfants, pour assurer une nouvelle mentalité pour leur prochaine génération et tout ça. Puis finalement, si on veut que ça perdure, bien, il faut aller au-delà de notre espace collectif éphémère et nourricier. Il faut que ça devienne permanent, puis il faut faire en sorte que c'est ça, qu'il y a un filet de sécurité qui s'installe non seulement autour d'un individu, mais autour de l'initiative citoyenne. La Fondation David Suzuki en fait tellement partie, d'ailleurs, nous autres, là, ça nous a tellement fait du bien de faire partie de ce réseau-là, puis d'avoir des gens qu'on trouve vraiment crédibles, vraiment intelligents, qui disent « Hey, c'est malin ce que vous faites, lâchez pas, on est avec vous! » On se disait comment que nous, à petite échelle, on pourrait faire ça aussi.
Fait que avec les bacs, on a dit aux gens, venez porter vos surplus à différents points de chute dans vos parcs. Puis même ceux qui ont des bacs de jardinage ou ceux qui ont pas de bacs de jardinage de croquement potager, mais dans leur jardinage tout simplement personnel. Puis on a mis ça dans des bacs, on est allé porter ça dans nos deux cuisines collectives. Puis tu sais, c'est sûr que pour les cuisines collectives, c'est pas ça qui a fait qu'ils ont survécu là, à la pandémie. Là. Mais le geste important pour nous de dire justement les citoyens sont avec vous, puis que les citoyens voient ces photos-là, puis qu'ils disent « Hey, crème, mon jardin, dans le fond, j'avais pas pensé que je pouvais faire ce lien-là avec l'organisme » et vice-versa. Fait qu'on est bien, on trouve ça vraiment important de garder ces liens-là. Sinon, on fait beaucoup d'activités, on essaie là, de faire des activités, des lectures en plein air, des sorties, on fait la rencontre des petites, des adolescents, là, ils amènent leur carte d'affaires pour promouvoir leur service de gardiennage, de tonte de pelouse et tout. On fait la rencontre des maternelles à chaque année pour les maternelles qui vont commencer en septembre et qui connaissent pas, ils n'ont pas de visage connu et qui ont le trémolo dans la voix à parler de la rentrée scolaire. On organise une histoire qu'on lit en plein air sur l'entrée à la maternelle. Puis on dit, bon, avec qui va aller à telle école en septembre? Puis là, ça permet de créer des liens. Puis après ça, on les invite à continuer à venir à notre espace collectif durant l'année. Donc, c'est ça. Ça, c'est des photos de notre espace collectif. Là. Vous voyez là, les bacs de plantation. Puis c'est sûr que nous, on aimerait ça, là, en mettre beaucoup plus. On aimerait ça planter des arbres aussi. C'est juste que, étant donné qu'on doit l'enlever, le faire en juin et l'enlever en septembre, ça prend quand même beaucoup de mobilisation. Donc, on essaie d'avoir des bacs là, qui se réalisent pour le moment. Fait que le croque-livre, il y a le parachute là, qu'on avait aussi, qui était un franc succès. Là, on cherchait une activité qui ferait que les gens viendraient au-delà d'un ballon, tu sais, fait qu'on se dit, le parachute, c'est quelque chose que les gens n'ont pas vraiment. Fait qu'il y a un organisme qui nous prête ça durant l'été. Fait que, puis là, vous voyez la petite maisonnette, c'est un papa du quartier qui l'a fait avec des palettes. Fait que c'est bien, chouette, on est bien, bien fiers. Puis c'est ça. Dans le fond, quelques fois par été, là, environ 2-3 semaines, on a notre foyer roulant qu'on amène. On fait un feu collectif. Des fois, il y a un chansonnier qui vient. Ça, c'est vraiment un must parce que les gens, ils aiment beaucoup ça. Ça permet aux gens de se rencontrer. Puis on continue d'y croire que le changement va passer par la communauté. Nous, on appelle ça une communauté fruitée serrée. Donc, c'est ça. Il faut que les liens soient ensemble. Puis si on veut assurer la résilience de nos communautés, il faut savoir se parler, s'entraider, compter sur soi, se connaître. On fait aussi on mise beaucoup sur le partage des connaissances, mais de plus en plus, on met de l'espace à ça. On a eu notre première soirée fruitée serrée cette semaine qui était par et pour les citoyens de la communauté. Donc, c'est ouvert à tous. Donc, c'est une rencontre là, sur les investissements responsables. Donc, fait que de réaliser que il y a un voisin qui se connaît beaucoup, qu'il en a fait presque une passion, puis qui dit moi, j'ai ces compétences-là, ça l'intéresse des gens. Puis de réaliser que notre empreinte écologique, elle va au-delà de nos actions ici, mais tu sais, des placements qu'on se dit on va faire ça, ça va rapporter tant, on est content, mais finalement, peut-être que notre empreinte est plus grande juste par ces choix-là qu'on fait. Fait que c'est toutes sortes de façons comme ça qu'on essaie de se sensibiliser tout le monde. Puis c'est ça aussi, vu que ça passe par la communauté, bon, on a fait les crocs mobiles. Ça, c'est notre petit bémol côté zéro déchet parce que c'était en voiture. On aurait aimé ça avoir des voitures électriques. Mais avec la pandémie, on était vraiment touchés de voir que les gens, ils souffraient d'isolement, tout ça. Alors, on se promenait dans les quartiers avec une caisse de son, avec ça fait rire les oiseaux. Puis on allait pour les fêtes, pour une personne qui est en rémission du cancer, tout ça. Puis on allait... Et ça nous a permis aussi de faire notre réseau. Tu sais, à chaque fois qu'on sortait, on avait 50 nouveaux fans sur notre page Facebook. Puis ça, parce qu'on mettait le lien sur nos banderoles et tout ça. Puis ça nous a permis de lancer un peu croque-mon-potager à l'extérieur du quartier, étant donné qu'on avait des gens qui nous ont connus différemment aussi. Donc, c'est ça. Alors, on est maintenant un quartier fruité serré. Vous voyez là un peu les papas là, qui sont fait une ligue de poker. Puis, tu sais, je sais que ça va au-delà de l'agriculture urbaine vraiment, mais c'est indissociable selon moi parce que c'est comme ça qu'on va amener le changement. Puis c'est comme ça on fait juste attirer des gens dans des jardins collectifs en disant « Toi, tu es un passionné d'agriculture urbaine, viens dans mon jardin collectif, puis là, fais ça. » Ben ça fait qu'on reste toujours avec
les personnes qui aiment ça puis qui se connaissent. Fait qu'il y a un savoir qui ne se partage pas, il y a une mixité qu'on ne retrouve pas. Donc, le fait de l'ouvrir à tous et d'attirer les gens sur différentes passions qu'ils ont, ben, ça permet vraiment de monter. Puis moi, j'ai quelqu'un dans le comité qui a fait le PowerPoint justement que je salue. Bonjour Annie. Elle, quand elle a joué le comité, elle a dit « Moi, je suis vraiment ici pour la vie de quartier. J'ai pas le pouce vert, puis ça, c'est bien cool vos histoires de jardinage, mais moi, c'est la vie de quartier. » Et puis là, avec son bac croque mon potager cette année, elle avait carrément un champ de citrouilles devant chez elle. Elle a donné elle a fait tirer ses citrouilles à tout le monde. Elle en avait genre 25. Puis elle a capote. Là, elle dit là, l'année prochaine, là, j'ai tel projet. Puis là, elle n'arrête plus. Elle a parti ses semis. Elle est meilleure que moi en semis. Je suis super jalouse. Fait que, tu sais, c'est super beau de voir les retombées. Puis on capote. On est vraiment énervés. Fait que c'est ça. Puis là, ça, c'était un PowerPoint qu'on avait fait pour une autre présentation cet automne. Fait qu'on a l'air d'être vraiment têtu de David Suzuki, mais c'est vraiment vrai. Dans notre cœur, on les aime, mais on aime cette citation-là d'amour, on la met partout. Chaque personne, chaque groupe, chaque organisme œuvrant seul à bâtir un monde différent peut sembler impuissant et insignifiant, mais la force du nombre rendra le mouvement irrésistible et irréversible. Fait que cette phrase-là, moi, elle me donne des frissons à chaque fois. Puis je trouve qu'elle amène la notion du plaisir qui vient avec le changement. Puis nous, on est convaincus que le changement passera par le plaisir, surtout en temps de pandémie et post-pandémie. Donc, c'est ça. Il faut que ça devienne irrésistible pour que ça soit irréversible. Alors, amusons-nous et changeons ce qu'on a envie de changer dans nos communautés. Soyons dans l'action surtout. Alors, c'est ça, si vous voulez nous rejoindre, on a notre courriel, on a notre page Facebook, on a notre groupe Communauté Fruitée Serrée Croque ton quartier aussi, puis le site web. Alors, c'est ça, je ne sais pas si c'était correct. C'était super. Merci Marie-Claude. Tu me donnes le goût de brailler, puis tu me donnes aussi le goût de déménager à Beauport. Mais j'avais le même sentiment pour Alma, pour Laval, pour demain Verdun. Oui, et je voulais juste rajouter aussi, s'il y en a parmi vous, parmi les participants, qui ont envie de partir des projets comme Croque mon potager, ça serait vraiment cool. Je lance le défi qu'on se fasse une map qui réunit tous nos bacs. Fait que, écrivez-nous, puis tout est possible. Ça se fait bien quand même, là. Donc, le défi est lancé. Excuse-moi de t'avoir interrompu. C'est un super défi. Je pense qu'il y a plein de villes qui vont vouloir relever le défi, à Saint-Jean-sur-Richelieu aussi. Merci pour tous ces témoignages. C'est fou de voir tout ça. J'aimerais que le Québec entier entende ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que tous les gens qui sont là ont envie de se partir des défis et des initiatives comme les vôtres. Je disais que ça me donnait le goût de déménager partout, à Saint-Jean-sur-Richelieu aussi. En fait, je pense que c'est une très bonne transition pour les questions. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas justement de vouloir déménager ailleurs, c'est de partir la même chose dans votre propre communauté. Je vois que tout le monde hoche la tête et que tout le monde prenait des notes en écoutant les présentations des autres. Je vais d'abord dire juste un petit mot pour ceux qui écoutaient. Je vous invite, si vous avez des questions, à les écrire dans la zone qui est dédiée à ça. Et Marianne va me les transmettre. Donc là, elle m'en a déjà transmises quelques-unes. D'abord, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages qui disent qu'ils sont très, très émus par chacune des actions qui ont été présentées. Donc, je commence par ça parce que vraiment, merci à vous quatre. Je sais ce que vous faites au quotidien. Et pourtant, moi aussi, je suis émue d'entendre tout ça. Une des premières questions qui s'adresse à tout le monde. Donc, je vous propose que pour les réponses, je vous passe la balle. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. Si ça a déjà été dit, on peut passer à une autre question. Une des premières questions, c'est qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux citoyens qui ont peur de se lancer ? Qui veut répondre à ça ? Ben, je peux m'essayer si vous voulez, là. C'est comme tout dans la vie. Si tu ne te lances pas, il ne se passera rien. C'est à toi de voir les risques. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux se lancer puis se planter que pas se lancer puis le regretter tout le temps. C'est une bonne vieille parole. Moi, dans notre ordre d'idée, je me suis relancé dans les études à l'Université Laval pour en agronomie. Ça m'a pris 4 ans à me dire là, je le fais-tu ou je le fais pas. J'ai tout le temps ou je n'ai pas le temps. Ben là, je le fais. Puis, regarde, malgré la vie de famille avec un jeune bébé, on essaye. Puis, si ça ne marche pas, tant pis. Mais au moins, j'aurais essayé. Je pense qu'il faut y aller de même. Là. Parce que tout le monde se dit ça. T'sais. Il y a plein de monde qui veulent agir, mais personne. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais
je pense qu'il faut quitter le monde de consommateur. Tu sais, on est dans un monde de consommateur. Tout le monde est consommateur, là, même les granos. Là. Nous, Allemands Transition, là, on a, je pense qu'on doit avoir 1300 personnes sur le Facebook. Mais il y a 1200 personnes que c'est plus des consommateurs, tu sais, parce qu'ils ne veulent pas prendre la place de leadership, ils ne veulent pas se lancer. Sauf que faut se lancer parce que ceux qui se lancent actuellement, à un moment donné, ils s'épuisent. Ils s'épuisent, puis c'est lourd à porter de dire si je fais rien, ben, il ne se passe rien, puis là, t'es dans le remords, puis tout ça. Donc, non, allez-y, go. T'sais. Ben, moi, j'aimerais compléter aussi. Là, j'encourage tout le monde à vraiment se lancer comme dit Benoît, mais peut-être aussi penser comme moi, je l'avais souligné, puis on peut le voir dans les témoignages de tout le monde, qui dans votre communauté, ça soit un organisme, un commerçant, peut-être un élu, pourrait vous accompagner, parce que des fois, c'est difficile de faire le saut. Hein. C'est comme ceux qui font du parapente, tout ça, t'es jamais tout seul. Hein. Normalement, il y a comme un guide. Donc, essayer de trouver la personne ou peut-être le groupe de personnes, ça peut être une école, ça pourrait être différentes instances qui seraient prêtes à embarquer dans ce projet-là, puis parce que des fois aussi, les gens ont peur parce qu'ils n'ont pas le réseau, puis là, ils pensent qu'ils vont créer quelque chose, puis il n'y aura personne, parce que c'est sûr que de la mobilisation, ça prend, c'est fait un effet boule de neige, plus ton réseau prend de l'expansion. Donc, essayez de vous greffer à quelque chose qui a déjà un réseau potentiellement et qui répond à vos valeurs, à votre objectif. Et là, potentiellement, vous allez avoir plus d'impact, puis ça va vous propulser. Dans le fond, ça va vous aider à avoir de la confiance, puis à se dire, ben finalement, c'était pas si difficile que ça. Mais moi, pour avoir fait plusieurs événements, plusieurs actions, je vous confirme que des fois, on n'était pas grand monde, que j'étais déçue, que je suis rentrée chez moi, je me suis dit, j'ai passé beaucoup d'énergie à faire ça, mais c'est pas grave, j'ai appris des choses et j'ai évolué. Donc, faut pas avoir peur aussi. Faut le dire, là, on échoue des fois, puis c'est vraiment correct. Je suis d'accord avec ce qui a été dit par les collègues. Puis moi, il y a une phrase qui s'applique plus en cours de route quand on est découragé, mais je trouve que ça s'applique aussi au début. Qui dit j'ai passé arrêter tout abandonner, mais je me suis retournée, j'ai vu que mes enfants me regardaient. T'sais. Puis je trouve que ça marche aussi pour les débuts. T'sais, si ton enfant là, a envie là, de faire quelque chose, que ça l'emballe et tout, puis qu'il se dit, oh, j'ai peur que ça marche pas, qu'est-ce qu'on lui dirait? T'sais, on dirait, ah ouais, fonce, puis essaie, tout ça. Mais je trouve que c'est la même chose pour ça. Puis c'est plein de. C'est des montagnes russes, l'engagement citoyen, mais. C'est fou, moi, je veux dire, ça change une vie, vraiment, dans le sens qu'on a tellement de retombées sur nous, sur nos enfants, sur nos voisins, puis moi, là, j'ai découvert des personnes extraordinaires là, dans ce projet-là, puis qui vont être dans ma vie, probablement toute ma vie maintenant, tu sais, que j'aurais jamais rencontré, puis la même chose pour mes enfants, même pour mon chum, tout ça. Puis on croit vraiment... c'est quelque chose qu'on essaie de mettre de l'avant beaucoup à Croque ton quartier, qu'au fond, chacun de nous se cache un leader. Il faut juste trouver comment qu'on se distingue, c'est quoi notre unicité, puis mettre tout ce qu'on peut là-dedans, parce que quand tu trouves vraiment c'est quoi ton petit brillant à toi, puis que tu le garoches partout, là, ben les gens ils vont juste faire « wow, ça donne l'air trippant », puis avoir envie d'embarquer. Fait que ça peut être de... Moi, j'arrête pas de dire à mon chum, lui, son leader, c'est de faire des châteaux de neige. Il y a tellement du fun à faire ça que les gens, ils regardent ça puis ils ont le goût d'en faire. T'sais. Mais c'est ça pour tout. Fait que trouver qu'est-ce qui vous distingue puis lancer ça dans votre quartier, puis c'est sûr que ça va être contagieux. Ouais, merci pour ce témoignage. Ça me fait penser. Je rebondis sur une question qui vient de moi et pas du public. Je pense que vous l'avez tous mentionné à différents aspects. Il y a une notion de fun et de plaisir qui est vraiment importante dans l'engagement. Que ce soit, c'est pas toujours aller planter des arbres et chercher du financement. Il y a beaucoup de vous avez parlé de café citoyen, de partageurs. Il y a une notion d'avoir du fun et de connaître ses voisins qui est vraiment centrale dans ce que vous faites. En fait, tout à fait. Et je pense qu'au travers les différentes activités qu'on fait, il y a une chose qu'on a oubliée au fil des ans, je trouve, c'est d'être une communauté, c'est d'être une collectivité. Quand on fait des événements comme ça, c'est là qu'on voit la force du nombre.
Moi, ça me donne des ailes, en fait. C'est lorsqu'on a fait des événements où on a appelé les gens à participer que j'ai vu le plus beau de l'humain. Et j'avoue que ça, c'est ce qui nous fait revenir. Oui, on est fatigué après différents événements. C'est pour ça que c'est important de se ressourcer aussi. Mais j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, il faut revenir à des valeurs comme un peu à l'époque où la communauté peut faire toute une différence. C'est très gratifiant. Oui, puis au niveau, je pense aussi que la culture, tu sais, c'est quelque chose qui touche tout le monde, tu sais, on aime la musique, on aime l'art. Je sais qu'avec à Demain Verdun, il y avait eu un bal de ruelle qui avait été organisé, il y avait eu des musiciens, le monde, il dansait. Donc, c'est comme Patricia a dit, c'est important de se ressourcer, mais aussi en ayant du plaisir ensemble, ça crée de la mémoire collective. Puis, il y a parallèlement à ça, là, le même sous-sol que vous avez vu, là, il n'est pas fini. On avait, avant la pandémie, on faisait des soirées tropiques qu'on appelait avec deux autres de mes amis puis le commerçant. C'était en parallèle de Demain Verdun, mais en voulant dire c'était zéro déchet. Donc, on prenait de l'alcool fort québécois. On servait ça pas dans des trucs de plastique. On faisait de la bouffe. Il y avait des percussionnistes qui venaient. Donc, c'était pas vraiment tagué Demain Verdun, mais c'était un moment. Puis là, les gens attendent vraiment la fin de la pandémie pour qu'on puisse se retrouver, festoyer, échanger, déguster tout le monde ensemble. Puis je pense que ce qu'on peut ressortir de tout ça. Tu sais, Marie-Claude, Patricia, Benoît l'a dit, mais c'est, on rencontre, puis on sait jamais ces rencontres-là, ils vont nous amener où. Ça peut être des relations amicales, amoureuses, ça peut être des relations entrepreneuriales, ça peut... pour ceux qui hésitaient aussi, là, vous savez jamais ça va être quoi la conclusion de ça, mais oui, c'est sûr, avoir du plaisir pour les gens qui doutent aussi. Essayez de voir dans votre communauté les gens, qu'est-ce qu'ils font déjà, c'est où qu'ils se réunissent, observez, vous pensez que c'est quoi le besoin qui pourrait répondre... Parce que c'est sûr que le plaisir va passer avant tout. Puis si on n'a pas de plaisir, ben on va pas vouloir continuer. Donc, c'est peut-être pas... faut vraiment revenir à ça. Mais moi, la notion de plaisir, là, oui, je l'ai, là, mais je vous dirais que si moi, la lutte pour améliorer notre environnement n'était pas viscérale, là, si ça venait pas me chercher là, au plus haut point, si j'avais pas d'enfant... sur qui je veux laisser un héritage, si j'avais pas immigré au Québec puis je veux pas avoir quitté ma famille pour rien, ben je ferais peut-être pas tout ça, tu sais. Par contre, c'est important pour moi que les gens qui travaillent avec nous, c'est du travail des fois, c'est du désherbage, c'est du travail, ben eux aient du plaisir par exemple. Parce que moi à cause de mon implication viscérale, je suis capable d'en prendre, mais je veux pas que les gens qui viennent désherber le verger là, eux, ils n'ont pas de plaisir. Je ne veux pas qu'ils se découragent. Donc, si moi, quand j'organise une activité, c'est une heure, deux heures, pas plus. Parce que je sais que pour bien des gens, là, le plaisir prend vite le bord quand tu fais une tâche rébarbative. Donc, moi, je vois plus ça là-dedans. Mais c'est vrai que quand tu es leader, là, il faut quand même que ça vienne te chercher. Là, puis, il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Là. Moi, je ne le fais pas pour le plaisir. Je fais ça pour les enfants. Bien, on l'a dit tous un petit peu. Là. Mais parce que si je pense trop au plaisir, je vais faire autre chose. Parce que, tu sais, avec une famille, là aujourd'hui, là, je dis à Blonde, hey, c'est vrai que j'ai une conférence aujourd'hui, là. Ben, tu sais, elle se débrouille toute seule avec les enfants, tu sais. Moi, là, j'ai du plaisir avec vous, là. Mais, tu sais, c'est tout en ça, là, quand tu es bénévole impliqué, tu ménages la chèvre et le chou, tu sais. Tu ménages ton travail, ton bénévolat, ta famille, tout ça ensemble, là. Tu sais, quand on parle de charge mentale, là, des fois, là, le plaisir, il est un peu loin, là. Mais par contre, c'est important de prendre soin des gens avec qui on le fait, là, parce qu'eux, il faut qu'ils aient du plaisir. Je ne veux pas être plate, là, mais moi, je le vois un peu plus de même. Mais juste, si je peux rebondir sur ce que tu dis, ben non, mettons juste le désherbage. Nous, avec l'escouade verte, on en fait. Mais j'ai comme un petit truc de musique Bluetooth, là, puis on met de la musique. Fait qu'on peut quand même toujours trouver un petit twist pour que la personne, si le commerçant, il nous offre un café, nous, c'est arrivé. Des fois, on faisait des plantations d'un commerce. On a pris notre courage, on est allé le voir, on a dit, hey, pensez-vous que vous pourriez offrir le café aux bénévoles citoyens qui viennent? Ah, ben oui, on va faire ça. Si vous avez des crèmeries, c'est sûr. Fait qu'il y a toujours quand même, faut juste être des fois créatif, ça ne veut pas dire qu'on va avoir full de fun, là, débile mental, mais on peut quand même trouver une petite twist des fois pour que les gens soient comme, ben au moins je suis repartie, j'ai eu un café, on m'a donné un cornet de crème glacée, un popsicle, je sais-tu moi. Mais je parlais vraiment du plaisir, moi, pour les participants versus pour ceux qui organisent. Là. Ceux qui organisent, là, c'est
Il faut pas qu'on décolle sur le plaisir parce qu'on en dépense de l'énergie. Mais oui, pour les participants, je suis entièrement d'accord. Il faut que ce soit le fun pour eux autres. Là. Sinon, ils ne nous suivront plus. Ça m'amène à une autre question sur justement la diversité des actions. On a vu dans tout ce que vous proposez que ça couvre un champ infini d'actions à faire, à organiser, comme Benoît mentionne, d'aller désherber, d'aller financer, d'aller chercher du financement ou des bénévoles ou d'aller jaser avec les élus au conseil municipal, d'organiser des heures du compte. Il y a vraiment beaucoup d'activités, ce qui fait qu'en ayant beaucoup de possibilités d'engagement, est-ce que ça c'est un moyen justement pour de permettre à tout le monde de trouver ces paillettes, comme disait Marie-Claude, d'aller trouver quelque chose. T'sais, tout le monde peut pas être bon pour faire du désherbage ou pour animer une rencontre, mais est-ce qu'en offrant une palette d'activités aussi variées, est-ce que c'est un moyen de répondre aux besoins de chacun? Et en fait, il y avait une des questions qui était: comment est-ce que vous faites pour augmenter le bassin de personnes impliquées dans vos groupes? Est-ce que c'est une partie de la solution? Tout à fait. En fait, j'écoutais Céline, Audrey tout à l'heure. Ce que j'ai compris, c'est que lorsqu'on a différents petits sous-projets et que chaque personne est impliquée dans une sphère qui l'allume, qui la motive, c'est là, je trouve, qu'on fait une force. D'où le conseil d'être en complémentarité avec des gens dans le projet en question. Je suis convaincue que aussi les personnes, c'est un peu contagieux, comme le disait Marie-Claude tout à l'heure, quand on a du plaisir, qu'on a des activités, qu'on est un peu partout, les gens entendent parler du projet, se sentent interpellés à quelque part dans une zone sensible. Et c'est là, justement, qu'on peut aller les chercher, les mobiliser avec nous. Puis c'est un travail constant. Mais j'ai envie de vous dire que les gens qui s'impliquent vont toujours en ressentir quelque chose de bon. C'est bon ce qu'on fait et c'est bon pour les autres autour de nous. Puis ça, je trouve que c'est une des raisons pour laquelle, justement, on invite les gens du Québec à s'impliquer dans leur communauté et de faire du bon, du bien. Ça fait du bien. Je te rejoins à 100% là-dessus, puis ça émerge de vous quatre, de toute évidence, ça émerge des bénévoles de Laval en transition aussi. C'est sûr que vous avez l'air sur votre X, aligné, ça n'enlève pas la difficulté de gérer avec la vie familiale ou les interventions des enfants, comme avec Marie-Claude, on les voit là, mais c'est la réalité aussi, et c'est ça qui est le fun. On sait qu'il y a du travail, qu'il y a la vie professionnelle, la vie familiale, et donc de faire ça en plus, c'est évidemment admirable, mais ça se voit que vous êtes aligné, que vous êtes là où vous voulez être et que vous faites du bien à votre communauté et à vous aussi. Il est déjà 11h, il y a une question qui est dédiée plus spécifiquement à Céline Audrey, mais je pense que vous pourriez tous y contribuer. La question, c'est sur les élections municipales. Audrey, tu as mentionné que vous préparez quelque chose pour les élections avec Demain Verdun qui s'en vient le 7 novembre 2021. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou pas encore? Oh! Donc, moi, je suis dans le comité de co-coordination avec 5 autres belles personnes. Comme Patricia l'a bien compris, dans Demain Verdun, il y a plusieurs projets puis sous-comités, malheureusement, même si je n'ai pas d'enfants. Donc, je tiens à parler à tous ceux et celles qui sont aussi sans enfants et ou célibataires comme moi. Donc, vous pouvez aussi vous impliquer pour donner du sens à votre vie. Je voulais juste faire un clin d'œil, là, parce que dans la société, c'est vrai qu'avoir un enfant, souvent, c'est plus accepté. Mais je suis enseignante au primaire, donc je m'occupe des enfants des autres. C'est ça, je ne suis pas dans le comité démocratie, mais l'objectif de ce comité-là, avant la municipalité, puis je ne voudrais pas leur vendre un punch, ça va être sur notre site, puis dans notre infolettre, puis sur Facebook, mais ils se sont donné comme mandat de donner accès à la démocratie. Donc, nous on n'est pas partisans, mais on va faire en sorte que les citoyens puissent connaître c'est qui les candidats, puissent savoir c'est quoi leurs idées. C'est sûr, en mettant un emphase sur
surtout sur l'environnement, la transition, etc. Donc, je ne sais pas quel moyen va être utilisé au final. On collabore souvent avec des débats. Donc, là, les débats risquent d'être virtuels. Donc, souvent, Demain Verdun fait partie des organisateurs ou des initiateurs d'un débat pour qu'on entende les candidats et que les gens se réintéressent à l'élection municipale parce que c'est vraiment le contact direct de notre quotidien. Quand la plupart de nos projets, là, tout ce que vous avez vu en ce moment, là, ce matin, il faut tout avoir un contact à un élu, connaître le maire, la mairesse, surtout les fonctionnaires aussi, savoir c'est qui votre directeur des travaux publics. Là, je parle plus aux leaders de projet, là, mais c'est important de vous faire un carnet de contact. Donc, nous, avant les élections, que ce soit municipal, provincial, fédéral, on essaie de mettre de l'avant, d'aller à la rencontre de ces candidats-là, d'amener les gens à discuter sur certains sujets. Donc, comment ça va se faire, je ne pourrais pas vous dire. Puis, il y a aussi, quand j'ai parlé des rencontres littéraires, il y a aussi plein de livres là, sur j'ai pas le terme, mais tu sais, n'hésitez jamais aussi à faire... Hein? Changer de mode de scrutin? Oui, le mode de scrutin, en tout cas, il faudrait que Guylaine soit là pour m'aider. Mais c'est ça, mais n'hésitez pas aussi à vous rencontrer parce qu'il y en a qui, c'est ça leur intérêt. Eux, c'est comme la politique, la démocratie, nanana. Faut créer ces espaces-là d'échange-là. Donc, c'est en train de se tramer. Voilà, je vais laisser le comité annoncer ça quand ça sera le temps, mais je tiens à dire que c'est ça. Il faut redonner à ceux qui font, puis c'est pas moi. Nous, de notre côté, à Alma, finalement, au Saguenay-Saint-Jean, il y a un mouvement qui est plus grand que nous, entre guillemets. C'est qu'il y a le grand dialogue qui se met en place. Puis là, ça réunit des mondes de ben, en gros, il y a au moins une centaine de personnes qui ont une certaine influence dans leur communauté qui parlent ensemble. Puis je suis pas initiateur de projet, donc c'est pas moi le meilleur pour en parler là, mais finalement c'est vraiment pour que les gens, la communauté parle ensemble là de la circulation, de l'environnement, de la politique, puis tout ça. Puis pour revenir à la question, l'idée c'est que aux élections municipales, là, c'est qu'il y ait, on veut plus de vote par acclamation. Ça marche pas de vote par acclamation. T'sais. On veut qu'il y ait plus de candidats. On veut que les sociétés se questionnent sur l'environnement, sur les changements climatiques, sur la transition. Puis c'est pour ça que ça s'appelle le grand dialogue. Là. Puis ça, j'espère que dans d'autres régions, ça va se manifester. Je suis content qu'à Verdun, il y ait des initiatives qui vont dans ce sens-là, là, parce qu'on ne peut pas continuer de même. Puis nos municipalités, il ne faut pas oublier ça, là, c'est la seule entité gouvernementale qu'on a aussi bien accès. C'est facile de parler à une municipalité. Là. Moi, je ne reviens pas à tous ceux que je connais dans la ville d'Alma, à force de travailler avec eux autres. Là, c'est impressionnant. Donc, tu sais, il faut y aller de l'avant. Puis juste deux petites choses, je voulais dire. Premièrement, la plantation qu'on a faite, c'est avec Arbre Évolution. C'est important de les mentionner. Puis, par rapport à la communauté, parce que le défi aussi, c'est ça, c'est travailler en communauté, ce qu'on n'est plus habitué. Moi, quand je suis arrivé ici, ma blonde est venue après chez nous, j'avais déjà acheté ma maison, puis elle était étonnée que j'allais chercher du sel chez le voisin au lieu d'en acheter. Je dis, ben, parce qu'il nous manque du sel, puis on peut bien se rendre service, tu sais. Puis je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on a oublié ça. Maintenant, on s'excuse de téléphoner à quelqu'un quasiment. Là. Il faudrait quasiment l'envoyer un texto et je peux tout appeler. Là, donc venir à l'improviste chez quelqu'un, c'est compliqué. Demander service à quelqu'un alors qu'on pourrait aller nous-mêmes à l'épicerie, ça paraît comme aberrant, mais sauf que la communauté, c'est ça. Puis moi, tous les projets sur lesquels je participe, je me dis que pour l'instant, c'est pas facile. La communauté pourrait plus s'impliquer, mais... Là encore un mauvais jeu de mots, je plante pour demain. Je plante pour quand ça va vraiment être off, là, quand je dis des fois aux étudiants, là, c'est vous, peut-être que vous ne pouvez pas aller dans le sud, là. Enfin, vous fassiez du fun ici. Donc, c'est peut-être bien que vous avez trouvé que le jardinage, c'est le fun, finalement. Donc, moi, je me dis, bien, on fait ça pour le futur, pour qu'on jette les bases. Puis quand les mondes seront prêts à sauter pieds joints là-dedans, dans la transition, bien, au moins, je me dis, on aura fait un bout de chemin, puis on aura fait ce qu'on a pu. Oui, puis juste dire rapidement, l'environnement puis la transition, là, ça n'a pas de parti, ça n'a pas... Moi, je parlais avec une candidate, une élue hier, puis elle a dit, tu sais, Audrey, faut que l'environnement, ça devienne important pour tout le monde. Donc, n'hésitez jamais qu'il soit rouge, bleu, turquoise, arc-en-ciel, là, votre parti, là, allez les voir. Parce que vous ne savez jamais, c'est la personne qui est importante et vous ne connaissez pas toujours ses valeurs. Même si son parti présente certaines valeurs, la personne peut avoir les mêmes valeurs que vous.
Nous, juste pour faire une minute là-dessus, on avait fait aux dernières élections municipales justement quelque chose de très, très simple, mais très, très pertinent qu'on a trouvé en tout cas. On a convoqué tous les candidats à venir sur notre terrain. Puis ce terrain-là, à ce moment-là, il n'y avait rien. Fait que c'était un terrain que du gazon. Puis on leur a dit, venez nous parler de vos projets pour notre secteur. Puis on avait eu comme commentaire que ça avait été super apprécié par les candidats qui sont des partis indépendants, tout ça, qui ont moins de visibilité. T'sais. Puis là, ils ont dit merci de nous donner cette vitrine-là. Puis ça nous a permis de connaître tout le monde. Moi, c'est la première fois que j'allais voter puis que je connaissais tout le monde pour vrai. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Puis c'est pas parce que j'avais organisé, là, tout le monde qui était venu, ben c'était ça, parce que son respect après, quand on allait parler avec chacun. Puis ça me permet aussi de poser des questions. On joue vraiment au débat des chefs, là, puis ça nous a pris pas beaucoup d'organisation. Tu envoies l'invitation, tu les appelles. On avait convoqué les médias qui n'étaient pas venus finalement, mais on s'est mis là, puis c'est quelques une heure peut-être d'organisation, puis c'est fait. Puis de dire, OK, fait que là, toi, si tu rentres, qu'est-ce que tu vas faire avec Croque ton quartier, puis qu'est-ce que tu vas faire pour l'environnement, finalement. Fait que, puis là, oups, il parle un peu, justement, ben moi, je fais du jardinage chez nous, puis je trouve ça important pour telle affaire. Puis là, oh, OK, puis en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment simple à faire, puis que même si vous n'avez pas d'organisation autour de vous, comme simple citoyen, c'est facile à organiser, puis c'est sûr qu'il va y avoir du monde, puis c'est peut-être l'occasion de commencer votre initiative citoyenne comme ça, parce qu'il y a des gens qui vont venir, c'est sûr. Malade, c'est fou, c'est super de se rapprocher sa démocratie comme ça. J'en profite justement pour parler, vous l'avez mentionné plusieurs fois, mais pour les gens qui nous écoutent, je voudrais mentionner que justement, on est vraiment conscient que les citoyens sont... c'est une énergie renouvelable, mais épuisable aussi individuellement. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la Fondation David Suzuki qui a été invitée par l'effet transition, parce qu'on a mis en place, il y a l'année dernière, en fait, juste en même temps que la pandémie, j'espère que ce n'est pas lié, un réseau de soutien pour les initiatives citoyennes, exactement comme celles qui sont présentées aujourd'hui, où le but, c'est justement de donner un peu d'air à Benoît, à Marie-Claude, à Céline Audrey, à Patricia, en payant, par exemple, quelques factures, des comptes Zoom, des droits de diffusion de films, comme Marie-Claude le mentionnait tout à l'heure, pour les soirées cinéma, en mettant à disposition des experts, et puis la crédibilité de la Fondation aussi, puisque la Fondation peut ouvrir certaines portes scientifiques, par exemple. Donc, en mettant en place le réseau Demain le Québec, l'idée, c'est à la fois de soutenir les groupes existants comme ceux qui sont là aujourd'hui et de participer à l'émergence de nouveaux groupes de transition. Donc si vous ou d'action citoyenne. Donc si parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, si certains d'entre vous ont eu la piqûre en écoutant les invités, vous pouvez aller sur la page. On va peut-être vous la partager dans l'événement Facebook plus tard, à moins qu'on puisse le faire tout de suite en chat. On pourrait vous partager ces liens-là, le lien du réseau Demain le Québec. On met même en place pour les nouveaux citoyens, ceux qui se sont jamais engagés mais qui veulent, qui ont le goût d'essayer, une école d'activisme pour vous accompagner pas à pas pour la première fois où vous allez aller chercher du monde ou la première fois où vous allez animer une rencontre, parce que des citoyens allumés, comme il y en a partout au Québec, mais de les aider, ça va permettre d'accélérer la transition. Donc c'est une des initiatives qui existe. Céline Audrey a mentionné plus tôt la Maison de l'innovation sociale qui permet de soutenir les groupes avec un incubateur, mais ça, c'est uniquement sur l'île de Montréal. Donc, ça exclut une partie des gens qui sont là aujourd'hui. Mais il y a d'autres initiatives, c'est ça, qui existent comme ça. Il y a une grande diversité d'initiatives. Il y en a qui sont incorporées comme Demain Verdun, il y en a qui ne le font pas et qui sont juste des rassemblements, des collectifs citoyens comme à Alma en transition. Peu importe, mais Laure Varidel avait un joli mot sur vous en disant que toutes ces initiatives citoyennes, vous faites partie, en fait, vous êtes le système immunitaire du Québec. Et je trouve que c'est exactement ça. Ça s'applique vraiment à ce que vous faites dans vos communautés. Et puis, comme disait Marie-Claude ou Benoît, je ne me souviens plus lequel de vous deux a dit ça, on ne va pas changer le monde, mais on va changer notre quartier. Et donc, c'est justement pour ça que vous êtes là. Je suis certaine que vous avez inspiré tous les gens qui ont assisté aujourd'hui. Il y avait encore plein d'autres questions dans le chat, mais si sur le financement, par exemple,
de vos initiatives, mais j'imagine que on va pouvoir rester en contact par la suite. On pourrait peut-être aussi remettre, Marianne, si c'est possible, les coordonnées des groupes, des quatre groupes invités sur la page Facebook. Comme ça, si vous acceptez, vous pourriez être contacté par la suite. Avec plaisir. Super. Merci Marianne. Julie, j'ai-tu 3 secondes pour faire ma plug? J'allais dire, est-ce que vous avez un dernier mot chacun pour conclure? OK, bon, ben parfait. Ben moi, j'espère vraiment que les projets de Demain Verdun vous ont inspiré. On est, oubliez pas que ça fait 2 ans que ça va tranquillement pas vite. Puis je remercie, j'en profite, là, je sais que c'est pas tout le monde qui est là, mais je remercie vraiment. Là, c'est moi aujourd'hui, Céline Audrey, mais il y a des centaines de personnes qui sont derrière tout ce qu'on a fait. Donc, c'est vraiment important pour moi de les remercier parce qu'il faut jamais oublier qu'on est souvent des porte-parole, mais Demain Verdun, c'est pas juste, ben, nos initiatives, c'est pas juste les 4 personnes, c'est vraiment tout le monde. Puis moi, je souhaite aussi que ça se répage. Puis moi, personnellement aussi, ça m'a amené à faire des initiatives. Donc, au printemps, pendant le confinement, avec mon bon ami Mathieu Couture, on a pensé faire un podcast parce qu'on a fait une maîtrise en gestion de l'innovation sociale à HEC. Puis on s'est dit, il y a plein de choses, plein de concepts, plein de solutions pour le post-pandémie. On veut vivre le Québec autrement. Et on a lancé ce podcast-là. On a fait un appel de projet à la Radio Choc de l'UQAM. Ils ont retenu, donc on a accès à des studios qui nous permettent d'avoir un contenu de qualité. Donc, si vous voulez aller écouter ça, ça s'appelle « Après la pause ». Donc ça, c'est ma plug personnelle. Vous pouvez nous écrire pour des sujets. Notre premier épisode, c'est sur l'implication citoyenne. On parle aussi de monnaie locale, d'investissement responsable. On parle de tout ce qui est économie circulaire, économie sociale, etc., simplicité volontaire. Et par le fait même, si jamais vous voulez m'écrire personnellement, on m'a ajouté sur Facebook. On veut peut-être lancer un événement pour par rapport aux élections, expliquer aux gens comment faire des podcasts très simples parce que ça se fait avec Zoom et aller à la rencontre des candidats puis mettre ça en ligne. Donc, si jamais vous êtes intéressé, ça pourrait se faire partout à travers le Québec. Donc, les quartiers, les communautés, les villes pourraient se créer des mini-podcasts. Vous allez à la rencontre de vos candidats, vous leur posez certaines questions, puis vous mettez ça accessible. Comme ça, ça donne une autre possibilité aux gens de découvrir leur potentiel élu. Merci vraiment pour votre présence puis votre participation. Merci à Julie, merci à Laval en transition aussi. Puis juste, by the way, Laval en transition aussi ont été accompagnés par la MIS. Donc, le territoire couvert par la MIS est quand même assez flexible, je pense. Bon, merci. Ben, je vais y aller aussi. Ah, vas-y Marie-Claude. Okay. Ben, merci aussi. Je voulais remercier toute l'équipe qui est derrière le moment de ce matin et les autres invités, les personnes qui y assistent. Puis merci à toute la gang de Beauport que je salue et que je suis comblée parce qu'on a la réputation de banlieue qui nous colle toujours à nous. Puis je suis vraiment fière de la gang de Beauport qui montre à tout le monde qu'on est en banlieue, mais qu'on est intéressé par la transition, par l'environnement, puis qu'on veut des solutions, puis qu'on veut être dans l'action aussi. Donc, partout, c'est applicable. Puis c'est ça que je voulais dire aussi. Tout ce qu'on a parlé, je parle au nom des autres invités, mais vous me direz si ça vous convient pas, mais... T'sais, tout ce qu'on dit, on souhaite que ça soit réutilisé. T'sais, il ne faut pas que ça soit, ça c'est les couleurs de Croque ton quartier ou de transition. T'sais, on veut que ça soit partout parce que quand ça sera partout, ça va solidifier chacun d'entre nous parce que c'est plus qu'il va en avoir des initiatives, ben, ça nous aide partout dans le Québec puis ça va faire que nos municipalités ils vont changer leur façon d'être avec l'engagement citoyen. Fait qu'on vous encourage et on vous remercie si vous nous copiez. Même. Peut-être enchérir sur tout ce qui a été dit. Premièrement, pour la question du financement, je présume que la question s'adressait à SOS Boisy de l'Épinette. Vous pouvez nous écrire là, via la page Facebook, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. C'est vraiment souvent là le nerf de la guerre, là, lorsqu'on veut conserver, c'est l'acquisition des lots et les coûts qui sont rattachés à ça. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que suite à l'événement de ce matin, je vous invite, et je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais je vous invite à rester à l'affût. Il y a quelque chose qui s'en vient, un projet peut-être en février ou en mars
parlait de changement tout à l'heure, de l'importance d'une transition verte. Et c'est là aussi qu'on doit aller, mais pas seulement au niveau des municipalités, mais partout au Québec. Alors, il y a un mouvement qui va être bientôt lancé, dans lequel on invite tous les Québécois, les Québécoises à appuyer cette démarche. On va demander à notre gouvernement, nos gouvernements en place, plus de vision, plus de courage, des politiques qui vont dans le sens d'une transition verte, parce que c'est maintenant qu'il faut agir tout de suite. Alors, je vous invite juste à rester à l'affût. Vous allez bientôt être liés à cette nouvelle partie. Merci beaucoup aussi pour toute l'équipe, cette belle événement de ce matin. Ça nous a vraiment fait plaisir d'être avec vous. Puis on espère qu'on vous a inspiré. Bon, mais pour ma part, c'est ça. Premièrement, merci à tous les gens qui viennent dans nos projets. Mais surtout, merci à ceux dont on a hérité, entre guillemets, Allemand en transition. T'sais. On est comme en train de c'est une loi non écrite, mais on se passe le flambeau. Puis il y a d'autres personnes avant moi notamment qui ont créé Allemand en transition, qui ont travaillé fort, puis que là, c'est à d'autres de le faire. Puis moi, j'espère qu'à nouveau, d'autres personnes vont vouloir le faire aussi avec moi, tu sais, puis avec nous. Je ne suis pas tout seul actuellement non plus, là. Donc, puis merci aussi à la ville d'Alma. Tu sais, la ville d'Alma est très coopérative. On a vraiment des bons piliers à la ville, puis c'est grâce à eux qu'on fait les choses, puis qu'ils nous font confiance. Tu sais. Parce que pour une ville, faire confiance à un citoyen, c'est pas rien. C'est comme quand ton père te prête l'écrit de son char et t'as juste 18 ans. Là. C'est pas mal la même chose, je pense. Ils sont pas habitués à ça, puis des fois on les bouscule un peu. En tout cas, pas toujours simple. Puis sinon, pour un petit plug, nous on a notre projet de tiers communautaire. Donc s'il y en a qui veulent nous aider financièrement, on est les bienvenus. Puis autre petite chose, s'il y en a qui veulent des conseils, n'hésitez pas à communiquer avec moi, communiquer avec Allemand en transition. Je pense qu'on est tous ouverts. Puis on veut plus être tout seul. On veut qu'il y ait que des villes en transition. Puis il faut vraiment agir là. Je pense on peut plus rester les bras croisés. Puis go. Wow, un grand merci à vous quatre, c'est vraiment super. Merci d'avoir donné de votre temps en famille ou sans famille, mais d'avoir donné de votre temps le samedi matin. C'est vraiment très, très, très apprécié. Je sais que vous êtes énormément sollicités. Merci à l'Effet Transition, je sais que vous aussi, vous êtes bénévole. Merci Marianne qui me disait dans le chat qu'elle pleurait en vous écoutant. Elle m'a autorisée à le dire, je suis pas en train de la balancer. Donc, merci, bravo à vous, c'est incroyable tout ce que vous faites tous. Et donc, pour la fin, je laisse Alexandre Warnet de Laval en transition pour conclure. Merci beaucoup, super animatrice de l'activité de ce matin, Julie Roy de la Fondation David Suzuki et le fantastique réseau Demain le Québec. C'est vraiment une chance que vous existez. Merci d'être là. Un grand merci aux quatre panélistes. Céline Audrey de Demain Verdun à Montréal, Benoît de Allemand Transition à Alma, Patricia de SOS Boisé de la Pinède à Saint-Jean-sur-Richelieu et Marie-Claude de Croque-Ton-Quartier à Beauport. Hier soir, on disait qu'on construit la famille, on construit la tribu, puis clairement, on fait tous et toutes partie de la même tribu. Vous êtes inspirants, vous êtes hot. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Tant qu'à dire merci, aussi aux citoyens qui sont là, qui ont posé des questions, qui ont pris part à l'activité ou qui vont nous écouter par la suite, parce que vous faites aussi partie de la solution. C'est à mon tour de faire des petites plugs pour rejoindre la communauté de Lavalloise en transition. Vous vous rendez sur le groupe Facebook Lavallois en transition. Laval en transition ne pourrait pas non plus aller de l'avant avec ses actions citoyennes et ses outils sans que vous soyez là. C'est le même cas de tous les groupes qu'on a vus ce matin. Donc, si vous avez du temps, des expertises, si vous pouvez contribuer monétairement, vos contributions, qu'elles soient petites ou grandes, sont vraiment vitales pour qu'on se développe comme mouvement et qu'on ait le même des splendides actions et réalisations comme toutes celles qu'on a eues ce matin. Je vous invite à visiter lavalentransition.org. Si vous pouvez contribuer financièrement, il y a un bouton jaune qui dit contribuer et ça sera possible pour vous. Et c'est aussi le site pour en connaître plus sur notre mouvement citoyen et y prendre part. Donc, on va coller les liens dans la zone de conversation. Et ça vous sera également envoyé avec le sondage pour connaître vos impressions sur l'activité.
Sinon, bien, pour la suite, on vous donne rendez-vous lors de notre prochaine activité, lundi prochain déjà, le 1er février à 19h, pour une présentation de la Ville de Laval sur ses cibles, actions et stratégies en matière d'environnement et de lutte au changement climatique. Marianne nous partage actuellement d'autres activités où, enfin, vous pourrez les retrouver sur le site aussi d'Effet Transition. En tout, 24 activités, donc il y a de tout pour tout le monde, y compris des activités pratico-pratiques, développement de connaissances et compétences. Ce sera super intéressant. Soyez-y. Et je vous invite finalement à nos activités Remue-Méninges qui sont préparées par l'équipe citoyenne de bénévoles de la Caravane de la Transition les 2 et 9 mars prochains à 19h. C'est gratuit. Et nos activités participatives gratuites des 27 février et 6 mars prochains. Tout ça, c'est sur le site effettransition.ca. Pour construire ensemble le meilleur avenir à Laval, on veut s'inspirer de vos visions, de vos rêves pour le Laval de demain. Alors voilà pour aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci Marianne. Je vous souhaite une très belle journée. Au plaisir de vous revoir. Je suis Alexandre Warnet, co-porte-parole de Laval en transition. Et je vous souhaite à tous et à toutes un bon effet de transition.